Aujourd'hui à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, c'est une mission particulièrement émouvante qui attendra Stéphane Plaza et Sophie Ferjani. Ils vont soutenir Janine et Jackie dans un grand moment de leur vie. La vente de leur maison de toujours, celle où Jackie a tout fait, du sol au plafond. On peut dire que c'est un peu daté, hein ? On étouffe un peu dans la pièce. Nous, on est habitués. Oui, voilà. Parce que vous, t'es habitué depuis combien de temps ? 52 ans. C'est normal, t'as assez bossé, t'en as plus envie. Ah, ben oui. Puis à ton âge, t'as le droit de te reposer, mon Jackie. Ah, oui. Pour enfin vendre cette maison, il y aura une foule de bonnes idées. C'est pas beau, c'est splendide. Oh ! De la solidarité familiale et un sacré travail. Et aussi quelques larmes. C'est la maison, c'est des souvenirs qui partent avec. Ah oui. Mais j'ai hâte de voir voilà, après ouais. Comment ça va être et puis tourner la page pour papa et maman, ça va être important. À Éragny-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, Solène a pris la décision de revendre sa maison seulement un an après l'avoir achetée. La jeune maman célibataire ne s'y est jamais sentie bien et cela se voit. Le papier pote aurait pu changer, là. Les copines, vous auriez pu l'aider aussi, là. Ah, mais on lui a proposé. Ah, on lui a proposé, oui. Elle m'a dit la flemme. Ah, bah, bah non, là. Ah, mais je voulais repartir. Oui, bah justement, pour repartir, faut refaire. La jeune femme va pouvoir compter sur l'expertise de Stéphane et d'Emmanuel Rivassou pour transformer sa maison. Ça, pour une entrée, c'est top, parce que t'as ce côté filtrant, mais sans perdre la lumière. Tous ses proches répondront présents pour l'aider à avancer dans la vie. C'est qui la meilleure équipe ? Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Nous sommes à 19 km au sud de Paris, accessible depuis la capitale par l'autoroute A6. Bien, Sophie. Merci, Stéphane. Jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au 19e siècle, Savigny était un village construit autour d'un château. La population explose donc dans les années 20 et le plateau se couvre de maisons. C'est l'époque des lotissements. Il y aura une nouvelle transformation de la ville avec la construction des grands ensembles à partir des années 60. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une ville dortoir de 37 000 habitants qui attire de plus en plus les classes moyennes. C'est ici que vivent Janine et Jackie. Voilà. Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Sur la route, quelque part dans l'Essonne, en direction de Savigny-sur-Orge, nous retrouvons Patricia, 62 ans, assistante en communication à la retraite, et Christelle, 50 ans, scripte dans le milieu de l'audiovisuel. Alléluia. Et chanteuse à ses heures perdues. On va chanter hein, pour papa et maman encore. Ça va beaucoup leur plaire. Ça va que papa entend plus grand-chose. Ces deux sœurs font la route ensemble aujourd'hui pour rendre visite à leurs parents, Janine et Jackie, 83 ans. Mon joc. Papa, heureusement qu'on a les cartes pour jouer, hein, parce que dis donc, on s'ennuierait autrement. Hein. Ah oui. Ah oui. Avant leur retraite, Janine travaillait dans un laboratoire pharmaceutique et Jackie était chef de chantier. Ces deux-là s'aiment depuis leur plus tendre enfance. On s'est connus à 14 ans, on s'est mariés à 18 ans et ça fait 65 ans qu'on est ensemble. On est bien tous les deux. Je pense qu'on ferait l'un sans l'autre, surtout toi papa. Hein? Oh là. De leur amour inconditionnel sont nés trois enfants. Joël, leur fils aîné, qui a aujourd'hui 63 ans, et donc Patricia et Christelle. Si Janine et Jackie ont toujours vécu dans la région parisienne, les enfants ont tous les trois décidé de s'installer dans le sud. T'es content de me voir? Oh là oui. Patricia a Sifour-les-Plages dans le Var. Christelle et Joël à Biscarrosse dans les Landes. La distance n'empêche pas cette jolie famille de se retrouver régulièrement. Leur fils a dû un peu espacer ses visites pour des raisons de santé. Je suis vraiment contente quand elles arrivent, quand elles donnent un petit peu de soleil dans la maison. Tiens, super.
Depuis quelque temps, leur soutien moral est plus que nécessaire. L'état de santé de Jackie ne va pas en s'améliorant. Maman, elle gère tout. C'est pas toujours facile. Et puis... Elle s'épuise vraiment. Ouais. Mais tu fatigues un peu, toi, papa, aussi. T'as de plus en plus de mal. Oui, c'est l'âge. On a le même âge, papa. Bah oui, bah tu fatigues aussi, maman. Pour vieillir plus sereinement, le couple a décidé d'aller s'installer à Biscarrosse, près de deux de ses enfants. Pour cela, Jeannine et Jackie doivent laisser dans cette maison 52 ans de souvenirs. On a passé de merveilleux moments dans cette maison. À l'intérieur de la maison, j'ai fait le bois, la peinture, le sol. Je suis très attaché à cette maison quand même, oui. Mais il faut qu'on la quitte. Mais pour le moment, leur projet de partir est au point mort. Depuis la mise en vente, il y a eu 17 visites, mais aucune n'a débouché sur une offre. On a tout à fait conscience que cette maison, elle est restée dans son jus. Nous, on ne peut pas être là tout le temps et faire des travaux. On habite loin toutes les deux, et notre frère aussi. Donc là, ça devient vraiment de l'urgence, parce que papa et maman faiblissent de plus en plus. Alors, toute la famille mise sur l'arrivée de Stéphane Plaza. Bonjour Stéphane, c'est parti des petits-enfants de Pétel et Mémère Minou. On compte sur toi pour rendre la maison de mes grands-parents. À bientôt! Sensible à l'appel de cette famille en détresse, Stéphane Plaza arrive aujourd'hui à Savigny-sur-Orge. Bonjour madame. La maison de la famille se trouve dans un quartier pavillonnaire bien coté, appelé le Plateau, à 20 minutes de Paris seulement. Ici, il fait bon vivre. À vendre, maison de type pavillon de 76 mètres carrés, deux chambres, séjour de 23 mètres carrés, jardin, 310 000 euros, net vendeur. Bonjour! Ne bougez pas, ne bougez pas, je monte! Dis donc, on dirait Clark Gable, dis donc, Jackie. Ouais. Jackie, ça va, Jackie? Bonjour. Déjà, vous êtes beau. Ouais. Vous êtes en couple depuis combien de temps? Oh là là. Oui? Ça va faire 65 ans. Sinon, c'est beau. Hein. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 52 ans. Mais vous l'avez fait construire, ce pavillon? Non, le gros œuvre était fait. Il y avait beaucoup de choses à faire, quoi. Et là, qui c'est? C'est moi. Non, Jackie, mais c'est quoi ton métier? Bah, j'étais chef de chantier avant. Ah, t'étais dans le bâtiment? Dans le bâtiment, oui. Donc vous allez où alors? Eh bien, on va chez notre fille, notre dernière, Christelle, à Biscarrosse. Oh, c'est beau Biscarrosse. Vous avez combien d'enfants? Trois enfants. Trois. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Bon, j'en ai tout autre part, mais ça m'étonnerait. Oh, bah, tu serais quand même si tu avais petit peu. Non? Allez. Combien de mètres carrés on a? 76 mètres. D'accord. Et le jardin? Le jardin, 360. Donc, on a une belle petite maison, agréable, pas trop grande. On n'est pas collé. On n'est pas collé. Elle est en vente depuis combien de temps? Deux mois. Deux mois? Vous avez eu quelques visites? Oui, peut-être 17. Pas d'offres, rien? Non. Peut-être c'est le prix? Pas d'offres. Je pense que c'est les travaux, enfin, les chambres de là-haut. Peut-être les deux, non? À quel prix vous avez essayé de vendre cette maison? Le couple a mis en vente son bien en agence immobilière à 310 000 euros, mais aussi sur un site entre particuliers, cette fois-ci à 325 000 euros. Une stratégie très déstabilisante pour les acheteurs qui ne comprennent pas pourquoi le même bien est affiché à deux prix différents. En général, s'il y a eu 17 visites et qu'on n'a pas vendu, on risque peut-être de baisser un peu, mais c'est peut-être pas ça. On va voir. Hein, je ne veux pas la mettre tout de suite de mauvaise humeur. Oh, dame, oui. Bon, alors, je te propose, tu t'assois et nous, on visite. Voilà. Voilà. Tu te faxes, là, regarde. Vas-y. Faxe-toi. Voyons, c'est un jeune premier, hein. Le visiteur peut accéder à l'intérieur de ce pavillon de deux façons. L'entrée principale est située ici, à droite de la maison. Elle mène à un couloir qui dessert les pièces d'eau, une chambre et le séjour. On peut aussi rentrer par la terrasse, ce qui permet d'arriver directement dans le séjour, là où Stéphane commence son expertise. Combien de mètres carrés on a là, à peu près? À peu près 23. 23, donc oui, on a une belle superficie et on a quand même une belle terrasse. Oui. Non mais c'est agréable. Toi qui l'a fait la terrasse? C'est Jackie, là, il a bien travaillé mon Jackie. Ah, dame oui. Ah, dame oui. Ah, ça c'est breton, dame oui. Même le cordage, hein, tout. Hein. Tu me l'aurais mis plus clair, j'aurais été plus heureux, Jackie. Bah oui. Maintenant, je l'aurais fait en bois. Pourquoi tu me l'as mis en marron, Jackie? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a pris? J'étais jeune. Ah, t'es bon, toi. Hein, ouais. Et Jackie ne s'est pas arrêté là. Il a aussi posé du lambris sur les murs et au plafond. On peut dire que c'est un peu daté.
Ah oui. Ah oui. Ah, on étouffe un peu dans la pièce. Ça éclaire pour pas. Pour ceux qui viennent, nous on est habitués. Oui, voilà. Vous t'es habitué depuis combien de temps? 52 ans. Mais maintenant, il faudrait que ça soit un peu plus moderne, un peu plus d'actualité. C'est normal. T'as assez bossé, t'en as plus envie. Puis oui. À ton âge, t'as le droit de te reposer, mon Jackie. Ah oui, maintenant, oui. Ah bon, mais pour l'acheteur, il faut essayer de moderniser un petit peu. Sinon, il va falloir baisser trop le prix. Oui. On veut garder un certain prix. Donc on va t'aider à faire les travaux. D'accord. Bon, j'emmène ta femme, tu m'en veux ouais, pas? Oui, emmène. J'ai le droit? Oui, oui. C'est bien la première fois qu'on me dit que j'ai le droit de partir avec une femme. Stéphane emprunte le couloir qui s'étire entre le séjour et l'entrée principale. On va aller dans la chambre. Dans la chambre parentale. Voilà. Notre expert découvre la grande chambre de plein pied de 13 mètres carrés. Donc on a une superficie de chambre parentale agréable et on a la chance de l'avoir au rez-de-chaussée. Oui. Ça c'est très bien parce que c'est un plus. On a le double vitrage qui a été changé, c'est super. En revanche, on a encore du lambris. Hein, c'est là le lambris, on commence déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à faire beau. Et ça, je comprends, c'est les anciennes armoires, on y tient, puis ça coûte de l'argent, c'est de bonne qualité, mais ça étouffe un peu les pièces. En avoir deux comme ça, c'est trop. Il faut qu'on essaye d'alléger un peu la pièce pour qu'on puisse voir les mètres carrés. D'accord? Nous, on aurait été plus jeunes. Oui. On aurait mis ici un grand, comme il faut maintenant. Un grand placard, un grand dressing. Voilà, il y aurait eu ça. Ben oui. Ben oui. Mais bon, on était trop vieux. Bien sûr. Ou de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas où, Jackie? Aux toilettes. À côté des toilettes, justement, se trouve l'unique salle d'eau de 3 mètres carrés. L'avantage, c'est qu'on a une fenêtre, mais on est sur un vrai couloir. T'es d'accord? Si on peut avoir quelques mètres carrés en plus pour la famille, c'est quand même mieux, on se sentirait mieux, oui. On aurait plus de facilité à la vente, parce que pour moi, c'est une maison familiale. Oui. Donc on va voir, qu'est-ce qu'il y a à côté, là? La cuisine. Alors, on a une belle taille, c'est lumineux, j'aime bien cette cuisine. Contrairement à la salle d'eau, la cuisine de 8 mètres carrés est spacieuse, mais le lambris et le carrelage renvoient encore à des codes anciens. Moi, ça me fait toujours penser, toi, au lambris chez le médecin. J'aime la lumière. La table d'opération. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Hein, un petit peu, hein? Oui, oui. Bon. La visite du rez-de-chaussée est maintenant terminée. Il n'y a plus aucun doute pour Stéphane. Ici, les acheteurs ne peuvent pas se projeter. La porte, on voit qu'elle est vieille, hein, parce que ça se fait plus. Ça. Bah, peut-être qu'il faut l'enlever, on verra avec Sophie. Bah oui. Alors là, on part. Jackie, ça va? Ça va très bien. Bon, alors nous, on a un petit peu visité. Alors j'ai fait la chambre avec ta femme. J'en refais deux autres. Oui, ah bah alors. Eh, j'ai la santé, moi. Oui, sans souffle, faut monter les arts. Pour accéder à l'étage, il faut ouvrir cette petite porte derrière laquelle Stéphane découvre un univers bien particulier. Oh merde. Alors attends, il y a la lumière. Oh la vache, mais c'est quoi ça? Dis donc, c'est l'Everest, là? C'est quoi? C'est un chalet, là? Ouais, j'ai mis du bois partout. Ah la vache, ah oui. Oh la vache. Alors, on peut pas dire que ça soit beau. On peut pas dire que ça soit moche. Just because of you, I'm bidding on you, you know it for you. On est au ski. À l'étage, Jackie a encore frappé avec le lambris. Ah, ben oui. Vous m'avez soigné, là. Là, on étouffe un peu. C'est pas très haut. Ça se faisait beaucoup, le lambris. Hein. C'était quand même un bon isolant. Mais le problème pour l'acheteur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que quand il y a trop de lambris, on se demande si on n'a pas caché quelque chose. Oui. Là, l'acheteur va dire, qu'est-ce que j'ai en dessous? Est-ce que c'est bien dit? Tu vois, oui. Il se pose des questions et quand on se pose trop de questions, c'est pas bon. On a un escalier quand même qui est en plein centre de cette pièce. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est une chambre, pas une chambre. Pour la vente, ce palier de 15 mètres carrés est donc perdu. Autre problème notable, cette pièce est en enfilade avec l'autre. Un défaut qui fait fuir les acheteurs en quête d'espace nuit cloisonné. Oh que c'est... Pardon, je le dis, là c'est moche, c'est terrible. Alors on a une belle... Oh là là là, regarde. C'est démodé, le papier s'arrache, ça fait 50 ans. Dans cette maison, il y a donc beaucoup de travail de rafraîchissement. Stéphane prépare doucement Jackie aux transformations. On a fait le tour, hein. Ouais. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, belle maison. Tu as fait des beaux travaux, mais c'est vrai qu'il faut la remettre un peu au goût du jour. Ah bah oui. J'aurais été plus jeune, j'aurais fait, mais maintenant... Tu es encore jeune, non? 83 ans. Il faut y aller en souplesse. Oui, oui. Tu me laisses carte blanche? Oui. Je suis rassuré. Alors je me demandais si je pouvais pas, rassurez-vous, hein, dormir un peu ici aussi. Ah non. Pas pourquoi non? Tu veux pas que je dorme avec toi? Ah bah non.
Oui, ah bah, ah bon. Ah bah, encore moi avec ma femme. J'avais à dormir pas trop loin, comme ça je serai sur place et Sophie va se libérer rapidement, comme ça on va pouvoir travailler rapidement. Suis. Si comme notre couple, vous pensez à mettre en vente votre maison sur Internet, voici les conseils de Stéphane. Même si vous êtes tenté comme Janine et Jackie de mettre votre bien sur un site de vente en ligne entre particuliers, ne perdez pas de vue que rédiger une annonce demande un travail rigoureux et faire visiter n'est pas toujours une partie de plaisir entre le tri des appels et les annulations de dernière minute. Si en revanche vous êtes acheteur, ces sites de particuliers ne sont pas rassurants car les vendeurs peuvent se mettre au-dessus des estimations des agences immobilières en se disant qu'ils vont récupérer la commission qu'un agent aurait pris. Les biens peuvent être bien au-dessus du prix du marché. Donne-moi ta main. Viens. La maison de Janine et Jackie semble être une copie de travail parfaite pour la pétillante Sophie Ferjani. C'est charmant, ces petites maisons. Sa mission sera de conserver le charme de ce pavillon tout en lui apportant de la modernité et de l'élégance. J'ai l'impression que c'est quand même un peu campé. Attends, reste là. Regarde. J'ai pas la solution. Hein. Elle devra aussi mettre à profit ses talents d'architecte d'intérieur pour redistribuer les espaces. Là, pour moi, c'est de l'espace qui est peut-être perdu dans le sens où c'est une table qui est collée dans un angle et qu'on a certainement un duplicata ailleurs. Sophie va encore devoir se surpasser, mais le plus difficile sera certainement de canaliser son copain de classe. Ça ne rappelle rien ? Ben, le Top Chef ! Tu vas te blesser, je joue pas avec ça. Mais vous ne voyons ! À Savigny-sur-Orge, c'est déjà le printemps. Les pâquerettes tapissent l'herbe verte et les couleurs vibrantes sont de sortie dans le ciel, comme dans la tenue de Sophie. Je te remercie, Stéphane. Non, cette tenue... Mais quelle galanterie. Je suis galant, tu sais, avec l'âge, je crois que je suis en train de me bonifier. Ouais. Notre duo d'experts est de bonne humeur. Il a rendez-vous avec Janine, Jackie et leurs deux filles, Patricia et Christelle. On est rentrés comme chez nous, on fait partie de la famille. Oui. Bonjour. Ça va, mon Jackie? Oui, mon fils. Ouais, alors... Alors, le prénom, pardon. Patricia. Patricia, Patoune. Christelle. Christouille. Mimi. Une fois les petits surnoms dévoilés, Sophie peut tout expliquer à propos des modifications qui vont être réalisées pour la vente. Je sais que ça fait très longtemps que vous êtes dans cette maison. Je sais que tu as fait beaucoup de choses ici, Jackie. Donc, j'espère que ça ne va pas t'affecter, hein, les transformations qu'on va... Non, c'est bon. Bon, tu sais, il part, mais là, c'est vraiment pour profiter de la famille. Hein. Voilà. Hein, oui. Vous savez que c'est pour mieux vendre. Donc, nous, on a pris des décisions afin qu'elle s'adresse au plus grand nombre. Sophie a prévu de donner le ton d'une maison familiale dès l'entrée. Je vais repeindre tout un mur dans un bleu plus sombre pour installer des patères et vraiment signifier une zone d'entrée. Au sol, on va poser un vinyle impression carreau de ciment. Il va recouvrir vraiment toute l'allée. Ça va me permettre d'équilibrer avec notre plafond en lambris que j'aime conserver parce que ça participe au charme de cette maison. Ça fera pas vieux comme c'est maintenant. Et alors, c'est très joli. J'ai l'impression qu'elles sont émues. Ben, on a une vie ici, donc... T'es née là, toi? Oui. Et donc, ça te fait quand même... Bien sûr. Tu fais pleurer les gens. Ben non, mais ça me fait plaisir, parce que c'est des larmes de bonheur. Donc là, j'ai donné le ton dans l'entrée. Je vais maintenant passer à la pièce qui va être le plus transformée, la salle d'eau. La salle d'eau de 3 mètres carrés va s'agrandir de façon notable. Pour cela, Sophie agit sur la cloison qui sépare la salle d'eau de la cuisine. On avait la cloison qui s'arrêtait ici. Ouais. Je la repose de 70 cm jusqu'à la porte-fenêtre de ma cuisine. Et du coup, ça va me permettre d'installer une baignoire d'angle sous la fenêtre, ouais, à la place de la vasque actuelle. Et je vais installer une double vasque quand j'entre dans ma salle de bain sur la droite. Ça envoie, comme disent les jeunes, non, ça jette. Je comprends pas que maintenant, à notre âge, que ça s'est fait fait. Au lieu de venir il y a 50 ans. Mais moi, tu m'aurais appelé, je serais déjà venu, j'aurais travaillé avec Jackie. Hein? Ah oui. La salle d'eau s'agrandit au détriment de la cuisine qui sera donc plus petite. Pourtant, Sophie n'enlève en rien sa fonctionnalité puisqu'elle conserve tous les rangements. Tout ce qui est à gauche et un peu en face, ça reste.
Par contre, le retour vraiment qui se trouve à côté de la porte, tout ça, je le déplace à 90 degrés contre le mur en face. D'accord ? Ah, d'accord. Dans le séjour, Sophie a prévu cette fois de repeindre le lambris en blanc et de poser un vinyle imitation parquet clair pour une pièce beaucoup plus moderne. C'est très joli, vraiment. Et on garde les pierres. On retrouve quand même la maison, mais en moderne. Dans cette pièce de 23 mètres carrés, l'arche en bois a déterminé naturellement deux zones. Un salon et un espace salle à manger. Sophie veut rééquilibrer les volumes. Moi, ce que je vais faire, c'est juste étirer mes meubles du salon vers la partie de salle à manger. Par une astuce toute bête, hein, je mets les mêmes meubles de chaque côté. Il y a un fauteuil qui va être par là. Et du coup, je vais rééquilibrer. Mon salon fera les deux tiers du volume et la salle à manger que un tiers. Parce que ça, ça correspond à nos habitudes de vie actuelles. L'étage maintenant. La première pièce de 15 mètres carrés pose problème pour la vente. Je vais vous montrer comment cette pièce palière va redevenir une chambre. Vous êtes prêts à le découvrir? Oui. Attention, parce que là, les filles, il y a eu de la réflexion. Non, wow. Ah ouais. Mon travail, il a été autour de la colonne vertébrale qui est l'escalier. Je viens créer un capot, un toit, fermer cet escalier en laissant deux accès au niveau du petit palier qui seront fermés par un rideau. Quand on tirera les deux rideaux, la chambre sera complètement fermée, ce qui résout aussi le problème des deux pièces en enfilade. Donc l'une ne dépend plus de l'autre. C'est pas beau, c'est splendide. Oh ! Merci. Franchement, c'est incroyable, vrai. Quoi, là. Dans la dernière chambre, Sophie suggère un univers plus chaleureux. On va tout repeindre en blanc. Tout. Tout enlever la tapisserie qui a un peu vécu. Hein. Oui, oui, ah oui. Hein? Qui a beaucoup de travail à faire. Hein. Ouais, oui. Mais on va s'en occuper. Oui, mais nous, on ne sera pas là. Qui va être le chef si t'es pas là? Oh, Stéphane. Bah, oh, oui. Ah, merci, Jackie. Non. Il passe le relais, dis donc. Ah, nous, on fait une équipe, c'est moi le Jackie. Eh ben, nous voilà bien. Eh ben, écoute, on va y aller. Allez, je le porte ou tu le portes pour le soir? Oh non, allez, je vais le porter parce que je sens bien que tu vas pas t'en remettre. Allez, allez. Ça m'a pas fait plaisir. Attention, Sophie, regarde. Merci beaucoup. Il serait pas un peu maladroite? Allez, hop. Quelques jours plus tard, le temps est toujours au beau fixe à Savigny-sur-Orge. Au grand désespoir de Sophie Ferjani et Stéphane Plaza. Je m'inquiète un peu parce que je vois pas la neige, moi. Ouais. Ah bah attends, on va laisser passer. Ouais. On cherche la neige. C'est loin, les remontées mécaniques. C'est extrêmement loin d'ici. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je dirais, continuez peut-être un peu tout droit. Et ici, sur la gauche, par merci, là. Vous okay. êtes parfaite. Hein. Merci. À défaut de trouver les pistes enneigées, nos skieurs s'accordent une halte bien méritée dans le chalet le plus célèbre de la région. On est là, Jackie ! Salut les amis ! Eh, pour aller dans le chalet, on sera pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La neige a fondu. La neige a fondu. Et le chalet est toujours là, Jackie ! Stéphane et Sophie ont tenu à faire honneur au lambris de Jackie et commencer cette journée de déménagement sur une note joyeuse. C'est pas toujours facile de se détacher d'une maison avec beaucoup de souvenirs. Donc on va essayer de vous changer un petit peu les idées pour pas que ça soit trop triste. D'accord. Pour égayer cette journée, une de leurs petites filles, Audrey, la fille de Patricia... C'est moi qui l'ai faite. ...intègre l'équipe de déménageurs. Allez hop, allez dans la maison, on va y aller. Allez, hein. Allez go, allez pop, 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 pop. J'irai pas skier, Jackie, là. Si, mais il y a pas cette neige. Ouais, t'as raison. Oh, il est fort. Le désencombrement commence dans le salon qui doit être entièrement vidé car demain on pose un nouveau sol. Ça, garde-meuble. Garde-meuble. Là, le tableau. Tu gardes rien. Garde rien. D'accord, ok. Bah, garde-meuble. Si, Jackie. Jackie. Jackie, on garde. Allez, garde-meuble. Ah, bon. Voilà. Notre architecte d'intérieur a besoin de recréer un séjour plus lumineux et moins chargé. Alors tous les gros meubles partent au garde-meuble en attendant l'emménagement à Biscarrosse. Garde-meuble, c'est ici. Oh, oula. Ça. Au fond. Hein. Déco de Sophie. Hop, on y va, tiens. Mais pour conserver de l'âme et des bonnes ondes, Sophie a aussi besoin de faire un peu de récup et à l'étage, elle est servie. J'adore cette chaise, elle est fantastique. Bon, j'ai envie de la garder pour le nouvel aménagement, franchement. Mais c'est un collector, on la garde. Ah oui, complètement.
Attends, ça, attends. Regarde ça. Oh non. Non, non, non. Oh, oh, oh non. Mimi, c'est ta chaise. Non, non. Oh non. C'est moi qui l'ai dit. On la donne. On la donne. Non, ça fait pour ma déco. Qu'est-ce qu'on fait? On la donne. On la donne. Voilà. Avec Jackie, pas de quartier. Il faut aller vite et avec la motivation de tous, le salon se vide rapidement. Une autre mission plus champêtre attend notre équipe de choc. On débroussaille, on y va. Moi, j'ai passé la tondeuse, hein. Oui, ok. Pour la vente, le jardin représente un atout indéniable, alors il faut le rafraîchir. Les filles débroussaillent et Stéphane, lui, doit tondre la pelouse. Coupons les branches à la base, comme ça. Voilà, et après, on tire. Allez, attendez, Sophie. Attendez. Allez, Sophie. Allez, Sophie. Allez, Sophie. Et pendant que certaines triment, d'autres n'ont visiblement pas trouvé la tondeuse. On peut pas passer la tondeuse. Je suis d'accord. C'est pas crête, c'est tellement joli. Je vais tailler la haie. Parce que je suis un bon tailleur. Ouais, je taille la haie. Ok. Alors. Pendant que Stéphane s'échine sur les haies, Sophie, Christelle et Janine s'attaquent à la cuisine. Alors, on vide tout ça. Sophie conserve tous les meubles, mais elle va en déplacer quelques-uns car demain, une partie de la cloison sera cassée. Là, t'as 3 générations de cuisine et bientôt 4, Janine. Eh oui. Tu vas être contente? Je vais être contente, oui. Avec des regrets quand même. Pourquoi des regrets? Parce que c'était nous, quoi. Oui, mais c'est la même que je déplace, t'as vu? Oui, oui. C'est mieux comme ça, ce sera bien plus joli, bien plus... C'est plus adapté pour les acquéreurs, en fait. Ouais. Pas facile pour Janine et Jackie de quitter cette maison qui recèle 52 ans de souvenirs. Tu t'ennuies, Jackie? Regarde ce que je t'ai fait. Je t'ai fait un collier avec les belles pâquerettes, regarde. Ah, je suis une vraie fleur. Comment ça se passe, là, pour toi, là? C'était pas trop dur? Tu l'aimes bien, cette maison? Ah, oh, bah oui, ça me fait mal au cœur. Ouais. Comment le dire? Ouais. Parce que ici, c'est ta vie, en fait. Ah oui. Hein? Alors, bon, c'est bien parce que tu as des enfants, des petits-enfants, les petits-enfants qui vont s'occuper de toi aussi. On va ils nous attendre, hein. Ouais, tu sais, moi, j'ai envie de te dire, t'as réussi ta vie. Ouais. T'as des enfants. Ouais, ouais. Fantastique. Bon, on dit que j'ai réussi. Est-ce que j'ai vraiment réussi ma vie? Je suis pas sûr. Bon, je suis un peu plus jeune, j'ai encore le temps, mais il faut que je me... Hein. Oui, j'ai encore plus de 30 ans à faire. Ouais, mais enfin, il faut... Bon, je vais rester près de toi, moi. Hein? Ouais. Allez. Damouille, hein. Damouille. Damouille. Voilà. Stéphane se fait discret. Allez, go! Il sait qu'il y a encore du boulot. Allez, allez, on traîne pas. Heureusement, avec la chef Sophie Ferjani, ça dépote. C'est de plus en plus lourd. Papier. Mais sinon, il est où, Stéphane? Faire un joli Tetris. Le désencombrement est terminé. Il est temps pour Jackie de passer le relais à Sophie pour les travaux à venir. Je te remercie. Tu me fais chef de chantier? Oui, oh oui. Merci. Un grand honneur, mon Jackie. Merci. Je te ferai honneur, t'inquiète pas. Tu seras fier de moi. Dès le lendemain matin, les transformations pour la vente commencent. Les frangines, ici, là, dans la chambre de papa-maman. Bon. La chambre des parents, il faut complètement la refaire parce que vous avez vu que le papier peint, il est ancien. On voit en fantôme presque les traces des parpaings qui sont vraiment constructifs à travers, donc c'est pas possible. On ne peut donc pas repeindre sur l'ancienne tapisserie. Il faut repartir sur de bonnes bases. Alors, on imprègne les murs d'un mélange d'eau chaude et d'un produit appelé décolleur. Et on détapisse en un rien de temps. Impec. Donc après, Sophie, une fois qu'on a décollé, petit rebouchage partiel et mise en peinture. Dans moins d'une semaine, la chambre parentale doit être prête pour la vente. Alors les filles ne chôment pas. Stéphane, lui, a cherché les remontées mécaniques toute la nuit. Il récupère. Oh, oh. Tu dormais? Non, non, pas du tout. Ah bon? Je suis là, je viens avec les pâquerettes. Il y a le renfort qui est arrivé. Viens, ma Sonia. Sonia et Jean-Louis. Salut, Stéphane. Jean-Louis est un cousin de la famille et Sonia, la fille de Christelle.
Le repos du guerrier est terminé. Stéphane rejoint l'équipe affectée à la peinture. Composé de Sonia, Sophie et Rocco, l'un de ses collaborateurs spécialistes des peintures à base de résine. Je te présente Rocco, le roi du pistolet. Dans cette pièce, il faut retirer l'aspect rustique du lambris tout en conservant la chaleur du matériau. Alors Sophie a choisi de le repeindre en blanc. On aurait pu le faire au pinceau et au rouleau, mais là au pistolet ça va être plus simple. On gagne du temps. Ah bah là là, des jours. C'est une peinture professionnelle, en fait c'est une résine à l'eau. Alors en c'est une résine bicomposant à l'eau, une époxy. Tu peux peindre n'importe quel support sans sous-couche, que ce soit du carrelage, du bois, du béton, tout. Autre avantage, une fois le mélange préparé, on peut l'exploiter pendant 10 heures. Et l'application est simple. En quelques minutes, on voit déjà le résultat. À l'étage, l'escalier est la clé de voûte du projet de notre architecte. Actuellement ouvert sur la pièce palière, il sera désormais fermé. Sophie a déjà retiré les garde-corps et prédécoupé des plaques en bois aux bonnes dimensions. Aidée de Jean-Louis, le cousin, elle vient les visser sur les tasseaux fixés le long de l'ouverture. Après, toi, on va mettre une plaine de finition ici, de toute façon, pour bien maintenir l'ensemble et une mise en peinture sur du lambris. Ça va être sympa. Bah, surtout, on aura gagné une pièce, en fait, pour la vente, tu vois. Ouais. Pour le fermer définitivement, il reste à fixer son pendant à gauche et par-dessus le toit de ce module qui viendra coiffer la cage d'escalier. Non, mais c'est nickel, il y a largement la place. Canon. Et donc là, j'arrive. Toi, quick, j'accède à l'un ou l'autre des côtés de la chambre. Et si les rideaux sont fermés, eh ben, je vais dans celle-là. Très bien, oui. Au rez-de-chaussée, Stéphane et Christelle ont commencé à casser la cloison entre la cuisine et la salle d'eau. En en remontant une juste avant la porte-fenêtre de la cuisine, la salle d'eau va gagner presque 2 mètres carrés. Mais d'abord, il faut faire tomber ce mur très épais. Pourquoi ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, c'est le... quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Casser la maison, quoi. Ah non, on casse pas la maison, on a vu. Oui, je sais bien. C'est des souvenirs qui partent avec. Ah oui. Bah, oui. Mais j'ai hâte de voir voilà, après comment ça va être. Et puis tourner la page pour papa et maman, ça va être important. Je vais dire à papa maman que t'as tout cassé. Sophie, tiens, si tu peux m'emmener la pleureuse. Ils ont tout cassé la maison. La maison de ta papa et ta maman. Mais regarde, viens, je vais te montrer un truc plus doux. Tu vois, ça c'est la plaque justement qui va nous servir à créer la nouvelle cloison. Donc ce sont des plaques qui sont étanches, impression béton pour ce côté moderne. Ah, le rendu va être magnifique, donc bon voilà. Allez, viens, je oui, mon stèle. Oui, oui. D'accord, viens. C'est trop pour toi tout ça, t'es trop petite encore. Les travaux se poursuivent dans la bonne humeur. Des amis et voisins de la famille sont arrivés pour prêter main forte et faire avancer le chantier le plus rapidement possible. Une semaine plus tard, le soleil s'est éclipsé et la neige est enfin arrivée comme un joli clin d'œil au chalet de Jackie et Janine. Sophie l'a modernisé pour la vente. Elle a veillé à conserver son âme chaleureuse. La famille, accompagnée de Stéphane, arrive justement pour découvrir les derniers changements. Attends, papa. Ouais. Quand te reverrai-je ? Jackie, t'es bien ? Ça va. Faites attention, ça glisse. Je vous ai remarqué que la dernière fois, je suis venu en skieur et il neige. Donc là, je reviendrai en maillot de bain pour les visites. Hey, tu dois être beau, Jackie, en maillot de bain, toi. Oh oui. Hein ? Oui, oui. Ce n'est pas aujourd'hui que la famille pourra profiter du jardin qui a été juste rafraîchi pour la vente. Il faut vite aller se réchauffer à l'intérieur. Entrez, il fait trop froid dehors. Ah oui, allez, venez. Pour que Jackie puisse s'asseoir rapidement, Sophie décide de commencer la visite dans le salon salle à manger qui a basculé dans la modernité. Oh là, mais c'est pas chez nous ça. Oh là là. Ça grandit, ça. Oh, vous avez cassé tous les murs. Ben non, ma belle, on n'a pas touché à tes murs. Ah, ben dis donc. Dis donc, oh là. Oh là là, regarde, papa.
Sophie n'a pas touché à la structure de la pièce, mais elle a utilisé une astuce ingénieuse pour donner la sensation de volume dans le salon. Notre idée, c'était d'agrandir le salon, de l'étirer jusque dans la salle à manger et de faire en sorte qu'il ne s'arrête plus ici, notre salon, mais on l'a agrandi jusque-là. En fait, vous voyez, l'astuce, ça a été de mettre les deux meubles similaires de part et d'autre de la cloison, là. Donc, on a l'impression que ça traverse la cloison ici, et que là, mon salon, vous avez vu ? Et on a un petit fauteuil qui vient agrandir la zone de réception du salon. Ça fait plus grand, ça fait moins vieux. Puis plafond, ça va être bien aussi, ça repeint en blanc tout. Tu apprécies ? Ah, dame, oui. Ah, oui, ça fait... Ah, dame. On a mis au sol, par contre, une impression de bois avec un vinyle. Il est écologique parce qu'il a un envers textile à base de 95% de recyclage. Donc, en fait, ce sont des bons produits. C'est à peu près 20 euros prix du mètre carré, le vinyle. Donc, c'est très économique. Sophie a aussi investi dans un mobilier plus contemporain avec un nouveau canapé et une table basse à 230 euros. À 20 ans de plus facilement, hein. Oui. Bah, c'est ce que vous nous avez demandé, hein. Oui. Le coin salle à manger affiche aussi un style beaucoup plus dans l'air du temps. On est venu vraiment délimiter la zone salle à manger avec un papier peint panoramique ici, qui coûte environ 350 euros, qui m'a permis de donner du style. Parce que c'est bien beau de tout repeindre en blanc, mais après, si on ne séduit pas, on peut passer à côté d'un acheteur. Donc voilà, on ramène un peu de couleur. La couleur, elle va se répercuter sur les chaises, par exemple autour de la table qui coûte 60 euros. On n'hésite pas à dépareiller, si je peux me permettre. Exactement, il faut assumer justement cet assemblage de couleurs différentes. C'est magnifique, c'est contemporain, c'est ce que les gens, en règle générale, aiment. C'est la simplicité et l'élégance qui se marient. Et ça, c'est Sophie. Hein. Merci. Cette table a aussi l'avantage d'être transparente. Visuellement, ça prend beaucoup moins de place qu'une table qui est opaque. Ça n'encombre pas les volumes. Bien. D'accord. Bien. Bon, oh. Jackie, on dit à tout de suite. À tout de suite, mon Jackie. Place aux transformations dans le couloir. Avec un sol en vinyle impression carreau de ciment et des murs repeints dans deux nuances de gris, la zone d'entrée est plus chaleureuse, mais aussi plus fonctionnelle. Des petites patères, deux petites étagères qui coûtent 15 euros. Ça permet de fixer les manteaux, d'avoir un peu de vannerie, de donner ce côté maison tout de suite quand on entre, mais maison de famille. Je me vois bien rattacher mon cartable d'école, maman, retourner ouais. 60 ans en arrière et puis... Une entrée destinée aux familles, tout comme la nouvelle salle de bain repensée totalement par Sophie. C'est chez toi, vas-y, je t'aide, vas-y, laisse, regardez-moi. Oh là 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 là, c'est immense, incroyable. En déplaçant la cloison et en empiétant sur la cuisine, Sophie a gagné presque 2 mètres carrés, lui permettant d'installer en plus de la douche une baignoire et un meuble double vasque. En fait, il a fallu prendre des décisions lorsqu'on a travaillé sur le chantier de votre maison. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait du home staging classique ou est-ce qu'on va plus loin ? Il y a des travaux, quand tu visites, tu n'es pas capable de te projeter dans la maison si ce sont des travaux trop conséquents. Parce que c'est vrai qu'en termes de coûts, il a fallu faire intervenir un plombier pour déplacer la tuyauterie et autres. Donc, il fallait les faire, ces travaux, c'était important. Il a fallu trouver des astuces pour rester dans un budget raisonnable. Ça, ce sont des panneaux très astucieux quand on fait du home staging, qu'on est venu plaquer à même la cloison neuve. Donc, pas besoin d'avoir de peinture ni de carrelage. Pour à peu près 1000 euros, on a refait une salle de bain, salle d'eau. C'est une somme, mais ça peut nous déclencher la vente. Et des fois, il faut savoir investir pour mieux vendre. La cuisine a, elle aussi, beaucoup changé. C'est incroyable, hein. Tu as vu ? T'as encore plus lumineux. Ouais. Elle a cédé près de 2 mètres carrés à la salle de bain, mais grâce à l'expertise de Sophie, elle n'a pas perdu en capacité de rangement. Ces deux meubles qui étaient ici, là, à notre place, Stéphane et moi, ils ont été retirés et replugués sur le mur d'en face. En optimisant les espaces, Sophie a même pu rajouter un grand meuble colonne. Comme ça, les acheteurs, ils peuvent se dire, bah oui, mon frigo de 500 litres, je peux le mettre là, tu vois. Alors, est-ce que tu la trouves trop petite ? Ben non, on peut plus manger dedans, mais... Oui, mais on a une salle à manger de l'autre côté. Eh oui. Si les acheteurs, ils sont pas contents, ouais. Ils aillent voir ailleurs. Voilà, t'as raison. Je préfère que tu sois pas là pour les visites. Hein. Hein ? Allez, on continue. Non, je me tiendrai. Oui, tu tiens, allez, les chambres, la chambre. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you.
La chambre parentale de 13 mètres carrés a totalement changé de look. Oh, c'est incroyable. C'est plus nous. Qu'est-ce qui te semble bizarre ? Ah non, c'est pas bizarre, c'est splendide. C'est bien. Vraiment. Les anciennes armoires du couple ont laissé place à un grand dressing de 3,30 m de long, comme Janine en rêvait. Ouais, bah, vas-y, tu pourrais cacher un amant, dis donc. Pour le créer, Sophie a acheté deux grandes armoires à 70 euros l'unité qu'elle a agrémentées de rideaux à 15 euros. On a conservé le lambris au plafond, comme dans le couloir. Et puis moi, j'aime le charme du lambris, on l'assume. Et on a amené du rotin pour mon côté bohème. Ouais, ça je sais. Allez. N'oublions pas que cette chambre fait 13 mètres carrés, c'est un sacré avantage, puisque la moyenne en France d'une chambre parentale est de 12 mètres carrés. Donc nous, on est plus grand, on a un grand dressing et on a de la verdure. Pour moi, on a tout. Direction l'étage. Ça va, mon Jackie ? Ça va très bien, j'admire. Franchement, c'est j'en reviens pas. Bon, bah tant mieux. Là, vous remarquez, on a enlevé la porte, on ouvre les espaces, on fait le lien entre le rez-de-chaussée et le premier étage. On va plus à un grenier, on va vraiment au premier. Et on va découvrir les chambres. Et j'ai bien dit les. Fini la montée de l'Everest. L'escalier a été repeint en blanc et surtout, il a été totalement repensé pour offrir aux visiteurs un espace cloisonné à la place de la pièce palière. Là, rideau ouvert, on accède à une première chambre. Oh là ! Ah oui, c'est incroyable. Hein. Je tire le rideau, ça m'isole complètement du petit palier. Si je suis en train de dormir, que quelqu'un accède à la chambre, je ne suis pas dérangée. Ah oui. Et là, tu peux tourner. Regarde, là, tu marches sans problème. Grâce au coffrage qui a permis de fermer l'escalier, l'ancienne pièce palière est devenue une grande chambre de 12 mètres carrés avec deux coins lits. Et là, alors là, cette idée, moi, je ne l'aurais jamais eue. Non, mais c'est vrai, Sophie. Merci. Découvrez. Et surtout, la lumière, elle circule des deux côtés du volume et on a une chambre qui reste très lumineuse malgré le fait qu'on ait conservé du lambris partout. Et là, pour une chambre d'enfant, il y a un esprit cabane qui est génial. Pour moi, maintenant, tu as trois chambres dans ta maison. Et ça, ça a une valeur inestimable pour la vente. Ici, c'était vraiment le point noir pendant les visites. Les gens nous disaient, c'est bien, mais la chambre, pour y accéder, on traverse une pièce et là, c'est... Là, c'est une vraie chambre. C'est parfait. C'est une vraie chambre. La dernière chambre... Oh, oh là là là. A donc maintenant un accès indépendant depuis l'escalier. Ne pas oublier qu'on n'est pas obligé d'avoir des rideaux. Bien sûr. On peut isoler autrement, avec des portes coulissantes. D'accord ? Alors Sophie, raconte-nous ce que tu as fait ici. On a repeint le lambris en blanc et puis ensuite on a mis le même jonc de mer que dans la pièce d'à côté pour apporter justement cette fraîcheur, cette authenticité. C'est formidable, c'est... J'aurais pas cru qu'on puisse faire des choses comme ça dans mon chez-moi. Oh. Je vous propose de redescendre, je vais faire un petit tour avec mon Jackie. Et ben voilà, hein? Faut qu'il nous donne quand même ses impressions. Est-ce que ça va, mon Jackie ? Ça va. Donc, on a une cuisine qui reste fonctionnelle, agréable, et on n'a pas de travaux à faire pour l'acheteur. Oui. On a amélioré ce que tu avais fait un petit peu. Oui. Grâce à tes belles fondations. C'est bien. Très bien, moi, je trouve. Bon, alors, viens. On va se rasseoir, hein. Pour moderniser la maison et lui redonner des volumes adaptés au mode de vie actuel des acheteurs potentiels, Sophie aura dépensé au total 12 600 euros. Ce montant ne tient pas compte du prix de la main-d'œuvre. J'ai fait une vidéo si tu veux voir l'étage. Tu veux que je te montre ? Mais déjà, est-ce que tu penses que ça va nous aider à vendre ? Et est-ce que la famille qui va reprendre va être heureuse ? Je pense que oui. Bon, eh ben, je suis désolé, je vais te faire de la peine. Sophie va devoir y aller. Ah bon ? Elle va te quitter. Alors bon, je suis près de toi quand même. Oui. Mais elle a fini son travail. Bah, c'est gentil. Bah, et vous m'inviterez à Biscarros ? Ah oui, quand on achètera d'abord. S'il y a un truc vraiment qui nous plaît pas, on vous appellera. Voilà mon Jackie, tu perds pas le nord, c'est bien. Il est malin, papa. Hein ? Ah, il est malin, papa. Ah, merci pour tout, Sophie. Vraiment un grand, grand merci. On pouvait pas espérer mieux, c'est splendide. Eh ben, mais de rien, ma Jeannine. Mais c'est pas fini. À très vite. Jackie et Jeannine veulent partir le plus vite possible à Biscarros, près de leurs enfants. Alors Stéphane a convoqué deux agents immobiliers en qui il a une grande confiance et qui sont venus prendre des photos et des informations pour publier dès aujourd'hui l'annonce immobilière. Sébastien, Sabrina,
et on a déjà travaillé ensemble. Je vous laisse visiter la maison et je repars avec vous et je vous annonce le prix. D'accord ? Je me rassois, hein. Ils sont beaux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Ils sont beaux. La dame, surtout. Ah, la dame, surtout, tu préfères les dames, hein, j'ai l'impression. Ah, bah oui. Alors, si on est très sérieux, 310 000 euros, 17 personnes qui ont visité, il ne s'est rien passé. On doit partir rapidement, sans brader la maison. Ça va vous étonner ce que je vais vous dire. Je pense que 310 000 euros, on peut peut-être tenter plus cher. Ah, bon. Bah maintenant, oui. Maintenant, c'est... Non, j'ai dit tenter. Ne t'emballe pas. Normalement, le homestaging ne permet pas d'augmenter un prix. Sauf que là, pour moi, on a gagné des mètres carrés, on a gagné une pièce en plus. Je pense qu'il serait raisonnable d'augmenter à 315 000 euros net vendeur. 5 000 euros, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Et si ça ne va pas, on redescendra. Est-ce que ça vous va ? Très bien, très bien. Ça te plaît quand je te dis ça, hein ? Tu te disais, Stéphane, il va me faire baisser le prix. Oh, je l'aime bien, Stéphane, mais il va encore m'attaquer sur le prix. Et j'espère ne pas me tromper. D'accord. D'accord, Jackie ? OK. On essaye. Jackie, je suis toujours là, moi. Hein ? Bah oui. C'est donc à 315 000 euros que la maison transformée par les bonnes idées de Sophie est remise en vente. Et si vous aussi, vous vous demandez comment traiter le lambris chez vous, suivez ces conseils. Vous êtes beaucoup à être désespéré parce que vous avez du lambris dans votre maison. Pas de panique, vous n'êtes pas obligé de tout arracher. Je vais vous donner quelques idées et astuces pour équilibrer la décoration. On peut choisir de repeindre complètement le lambris avec une peinture professionnelle qui va vraiment bloquer le tanin pour ne pas avoir des taches jaunes qui réapparaissent. Ça, c'est très important. On va gagner en luminosité, en clarté et en modernité. On peut décider de conserver le lambris, de l'assumer, par exemple au plafond, mais dans ce cas-là, il va falloir équilibrer le reste de sa décoration, avec un nouveau sol en vinyle façon carreau de ciment, par exemple, avec des murs qui seront repeints dans des couleurs beaucoup plus actuelles. Et je vous propose, pourquoi pas, d'assumer complètement le lambris dans une chambre d'enfant, par exemple, avec des éléments de décoration qui sont plus ludiques, des jolis coussins, des jolis textiles. Je suis sûre que les enfants adoreront, et les grands aussi, d'ailleurs. À vous de jouer, à vous de choisir. On repeint, on arrache ? Non, non, on garde le lambris. Je compte sur vous, hein. 315 000 euros, ça peut le faire. Tu peux, oui. Tu peux compter sur net vendeur, hein. Allez, je peux vous être baisé ce soir. Vous êtes mes chouchous, allez, on prend les parades. Hello, place to go. Dix jours plus tard, Stéphane est de retour à Savigny-sur-Orge pour le jour tant attendu des visites. Comment ça va ? Très bien. Coucou. Je vous fais la hola. Christelle n'a pas pu venir de Biscarrosse, mais Patricia est là pour épauler ses parents dans cette journée décisive. Bon, alors comment on se sent ? Bien. Alors aujourd'hui, on est là pour vendre, hein ? Non, mais là, on va te mettre la pression en plus parce que maman a trouvé son dernier rêve. Bien sur Biscarrosse, juste à côté de Mimi. C'est pas encore sûr, hein, mais c'est la maison de Thérèse. Ah oui. Le couple attend avec impatience la réponse à son offre, mais l'urgence, c'est d'abord de vendre cette maison. Aujourd'hui, on a 4 visites non filmées et 2 filmées. Très bien. Je suis en forme aujourd'hui. Comme un petit jeune premier, là, tu vois, hein? Comme moi, mais je trouve que je suis assis. Oui, voilà. La même chose que toi, mais toi, t'es assis. Assis, voilà. Les premiers acheteurs potentiels sont Nadège et Jordan. Ils ont déjà visité la maison il y a quelques mois avant l'intervention de nos experts. On avait trouvé globalement plutôt sympa, un petit peu de travaux à notre goût à tous les deux. Mais là, on a revu des photos et du coup, on s'est dit, allez, il faut y aller. Solène, elle, cherche une maison avec son conjoint depuis 2 mois. Il n'a pas pu quitter son travail, alors elle est venue visiter avec une amie. Ce qui m'a plu dans l'annonce, ça a été la superficie du terrain, mais aussi le nombre de chambres. Bon, vous connaissez un petit peu la maison ? Oui, un petit peu, oui. Solène ? Naïf. Le jardin, parfait. Il n'y a pas trop de vis-à-vis. Ouais, c'est voilà. Alors, la salle de bain, qui a changé ? Oui, il y a une baignoire. baignoire et douche. Ah, c'est très sympa. Ça évite d'avoir le couloir qu'il y avait avant et ça agrandit. Voilà la cuisine. Enfin. C'est vraiment très beau. Ça a changé. Hein. Moi, j'aime beaucoup la cuisine. Elle est plus claire, le plan de travail il est vraiment très joli. Ouais. Nickel.
Et le lambris, il est là depuis... Depuis tout le temps. Mon papa adore le lambris, il y en a partout. Parce qu'effectivement, on ne sait jamais ce qu'on va trouver en dessous. Il y a vraiment un grand changement, c'est très joli, très clair, tout blanc, on aime beaucoup. C'est du lambris encore là. Oui, toujours lambris. Tu vois, pain, c'est bon. Ah, même pain, moi. Ah. Jackie, est-ce que tu peux nous rassurer un petit peu? Le lambris, il n'y a pas de cache-misère, t'es même lambris. Pourquoi le lambris est resté comme ça ici? Parce que là, on ne l'a pas repeint. parce que bon, bah, vous savez. C'est pas grave, le week-end prochain, t'as rien à faire. Oui. Moi, je vois bien Solène et son ami dans cette maison. S'ils achètent cette maison, je serai tout le temps là. À réfléchir. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal encore à me projeter sur le haut. Il y a eu des changements, c'est beaucoup plus joli. Je suis pas encore pleinement convaincue. Et lui, oui. Les visites sont terminées. Jackie et Janine doivent vendre cette maison où ils ont vécu 52 ans pour aller s'installer près de deux de leurs enfants dans le sud-ouest. Stéphane a désormais leur destin entre ses mains. Alors, on va y concret. Il n'y a rien. Comment ? Bon, j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que tu aimerais que je te dise, Jackie ? Que ici, ça va bientôt être acheté. Que je puisse acheter là-bas. C'est ça que tu voudrais que je te dise ? Bah oui. J'ai vendu. Ah bon ? Ah, c'est pas vrai. Sans aucune négociation. Ah, bien. 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 Qu'est-ce que ça te fait d'entendre que c'est vendu ? Plaisir pour papa et maman, soulagement. Puis les autres émotions, on les verra après. Quitter la maison. Non, maman. Quitte quelque chose quand même. Hein. Fallait vraiment, vraiment qu'ils se rapprochent de ma petite sœur, mon grand frère, parce qu'ils vont être beaucoup plus entourés. Et du coup, moi, je veux les garder encore longtemps et je pense que ça va nous permettre de les garder encore plus longtemps. 110 ans. Ce sont deux couples qui ont fait une offre au prix à 315 000 euros. Il y a Jordan et Nadège qui ont fini par se mettre d'accord et un autre couple plus jeune qui a visité hors caméra et qui est primo-accédant. Là où on a plus de rétractations, c'est pour un premier achat. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, je vous parle de chiffres. Si moi je devais choisir comme un ordinateur, je prendrais les plus âgés. Et c'est fait. Jordan et Nadège vont donc prendre le relais de Janine et Jackie dans cette maison pleine de beaux souvenirs. Pour que le bonheur soit total, il faut que leur offre à Biscarros soit acceptée. Stéphane tente le tout pour le tout en laissant un message à la propriétaire. Bonsoir Caroline, j'ai terminé ma journée de visite. Je vous confirme que j'ai bien vendu la maison de Janine et Jackie. Donc, ils peuvent acheter cash votre maison. Donc, j'espère maintenant qu'on aura aussi de l'autre côté un avis positif de votre part. Merci de nous tenir au courant rapidement. En attendant la réponse, la famille trinque à la vente et même Sophie est de la fête. Ah, oh la voilà. Bravo les amis, super. Voilà. Oh, on est vraiment contents. Et normalement, on a trouvé la maison à Biscarros. Oh là là, mais c'est fabuleux, ça, trop bien. Le lendemain, la bonne nouvelle est tombée. Janine et Jackie vont pouvoir emménager dans la maison de leur rêve à Biscarros, près de leurs enfants. Bienvenue à Erani, dans le Val d'Oise, à 30 km au nord-ouest de Paris, sur la rive gauche de l'Oise. Jusqu'au XXe siècle, Erani n'était qu'un modeste village, mais aujourd'hui la commune est membre de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et compte 17 000 habitants. On voit d'ailleurs deux zones distinctes dans la ville, le village avec son charme d'autrefois, sur les bords de l'Oise, et le plateau, sur lequel se sont développés de nombreux quartiers dans les années 60. C'est ici que vivent Solène et sa petite fille Camille.
C'est dans le quartier résidentiel des Cottages, un petit coin de verdure à 5 minutes en voiture du centre d'Erani, et plus précisément dans cette maison mitoyenne, que nous retrouvons Solène, 32 ans. Allô ? Aujourd'hui, cette gestionnaire en assurance est en télétravail. Il y avait 350 voitures à assurer, si tu peux me retrouver le récap de l'année dernière. Tu peux me l'envoyer ? Une pratique dans l'air du temps qui a bien des avantages pour cette maman solo qui élève une petite Camille de 5 ans. Je mets presque 2 heures par jour pour aller au bureau. Donc c'est vrai que le télétravail, ça m'aide beaucoup. Et puis quand je suis au bureau, du coup, c'est mes parents qui m'aident pour s'occuper de ma fille. Solène a la chance de pouvoir compter sur ses parents au quotidien. À la sortie de l'école, c'est Christian, son père, qui joue les nounous. Coucou ma bêche, ça va ? Je viens chercher Camille tous les soirs et si je devais l'écouter, il faudra venir aussi la chercher tous les midis. C'est un super papy. Tu connais la route ? Oui. Allez, c'est parti, montre les muscles. C'était bien l'école ? Oui. Ouais, tu y retournes demain alors ? Oui. Hop. Entre le grand-père et la petite fille, la routine est bien réglée. Au programme goûter. Merci papy. De rien ma biche. Et jeu. Allez, vas-y. En attendant Solène. Ça va attraper. Alors ? Je dis en quoi ? Moi, vous. Coucou. Coucou. Ça va ? Oui. Tu vas chercher tes doudous, on les met dans le sac, on y va ? Ici, la mère et la fille ont une chambre dans laquelle elles restent dormir régulièrement. Là, il y a toutes mes affaires et mes jouets. Donc là, ici, c'est ma chambre d'ado. Donc, j'ai passé un certain temps. Puis maintenant, du coup, avec Camille, on est là presque tout le temps. On y va ? J'ai pas trop envie. On y va quand même. Bon, d'accord. Et c'est le cœur lourd que la mère et la fille rentrent chez elles dans leur pavillon de 80 mètres carrés que Solène a acheté il y a 2 ans alors qu'elle était dans une toute autre situation familiale. Je me suis séparée du papa de Camille juste avant de venir ici, en fait, d'emménager. C'était pas prévu qu'on soit que toutes les deux ici. Donc, c'est vrai que maintenant, c'était un peu grand pour nous. Solène ne s'est jamais sentie bien dans cette maison sur 2 niveaux et elle n'est pas la seule. Tu veux pas aller jouer toute seule dans ta chambre ? Non, j'ai peur. T'as peur de quoi ? Je sais pas. Alors, il y a 8 mois, Solène a pris le taureau par les cornes et à peine 1 an après avoir acheté, elle a décidé de revendre sa maison pour pouvoir acheter un appartement près de chez ses parents et tourner la page. J'ai eu à peu près 10 de visites, mais j'ai pas eu de proposition, rien. Moi, j'en peux plus d'être ici, vraiment. J'ai envie qu'on parte assez rapidement avant la rentrée scolaire. Et pas être à moitié chez mes parents, à moitié ici. C'est vrai que j'aimerais bien mon chez-moi. Solène garde le sourire, mais elle souffre de devoir rester dans cette maison qu'elle n'aime pas. Hello. Ses 2 meilleures amies, Anso et Anaïs, qu'elle connaît depuis le collège... Allez, c'est soirée Virgin Moreto ce soir. ...sont le plus présentes possible pour la soutenir dans cette mauvaise passe. Finalement, on n'est pas si mal ici. C'est agréable d'avoir un petit jardin. On est super bien ici. Mmh. C'est trop mignon. Ça nous mais permet tu ne fais pas du tout, en fait. Moi, je pense que le souci, c'est pas forcément cette maison. C'est que voilà, ça fait partie aussi d'un moment de sa vie où elle est devenue maman seule et que du coup, elle a besoin d'un renouveau pour repartir à zéro. Et j'espère qu'elle va y arriver. Et de toute façon, on ne cachera pas. Et si c'est ton bonheur de vendre cette maison, et on y arrivera. Oh, les deux Madeleines, elles sont toujours en train de chialer. Moi, t'accompagne. À vendre, maison mitoyenne d'un côté, 80 mètres carrés loi Carrez sur 2 niveaux, 2 chambres, nombreux rangements, jardin de 220 mètres carrés, 314 000 euros net vendeur. Totalement démunie face au désintérêt des acheteurs pour sa maison, Solène a tiré la sonnette d'alarme auprès de Stéphane Plaza. Notre expert arrive pour tenter de comprendre ce qui se passe. Bonjour. Bonjour. Eh bien, il pleut, sortons. Hein. Moi, j'ai rendez-vous avec Solène. Ah, Solène, donc c'est pour toi que je viens. Oui. Et alors, là, c'est qui, alors ? Sophie. Oui. Et moi, c'est Anaïs. Ses amis d'enfance depuis 20 ans. Ah. On est là pour la booster et voilà, on est toujours là derrière elle pour l'aider. Oui. Donc là, t'es propriétaire depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Et alors, qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans ? T'as fait des travaux ? T'as pas fait des travaux ? J'ai fait quelques mini-travaux. Oui. Oui. Ah,
Non, mais elle n'a pas été refaite du tout. Elle a, t'as même pas fait les toilettes, t'as rien fait du tout. Pas de peinture. Tu t'es attaqué. Pourquoi tu t'investis pas dans cette maison? Parce que j'ai pas envie, en fait, je comptais repartir. Du coup, on était censés être quatre. Le papa de ma fille et moi, et puis le chien. Il y a une séparation. C'est ça. Donc t'as perdu le papa et le chien? Ouais. D'accord. Le chien a préféré partir avec le papa? Ouais. On en... Chacun à moitié-moitié. D'accord, d'accord. Donc tu te sens pas bien dedans? C'est pas du tout, en fait. Parce que bah maintenant c'est ce que j'ai... c'est trop grand pour juste Camille... enfin ma fille Camille et moi. Donc combien de mètres alors cette maison trop grande là? Elle fait 80 mètres carrés. Cette maison trop grande fait 80 mètres carrés. C'est ça que tu es en train de me dire dans les yeux là. Combien tu l'as acheté à peu près il y a deux ans? 288 000 euros net vendeur. Et donc tu as essayé de la revendre depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Oh, et qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai eu quelques visites mais c'est tout. Pas d'offres. Pas d'offres? À quel prix alors t'as essayé? 314 net vendeur. Non, j'ai besoin à tout bas parce que allez, tiens, je prends la pub pour moi payer. Tu veux revendre cette maison? Ouais. Beaucoup plus cher que ce que tu l'as acheté. Ouais, c'est pour récupérer un peu tout, le frais de notaire, frais d'agence, enfin voilà. Ouais. Là je vais faire mon agent immobilier. Quand on revend aussi vite, sans aucune transformation et sans travaux, on ne peut pas gagner d'argent. Je dirais même, pardon de te le dire, on peut même en perdre. Mmh. Alors, est-ce qu'on rentrerait pas? Si. On ferme les parapluies. C'est parti. Allez, je vous suis les filles. Stéphane se met donc à présent dans la peau d'un visiteur qui arrive directement et sans transition dans un grand séjour de 26 mètres carrés traversant. Je trouve que l'espace est très agréable et le volume est super. Ouais, c'est une belle pièce à vivre. C'est vraiment une belle pièce et on se sent bien tout de suite. Mais je suis pas fan du jaune, je suis pas fan du sol, je suis pas fan de l'orange parce que je trouve que c'est pas très heureux. Ça fait peut-être un peu... Ça fait pas ton âge. Je ne sais pas quel âge tu as parce que je vois joyeux anniversaire en gros. Mais quand même, c'était quand son anniversaire? Le 9 juin. Non, mais... Non, parce que moi, je suis du 9 juin. Eh bien, moi aussi. Oh, je viens t'embrasser, tiens. Oh, on est en anniversaire, on n'est pas beau. Oui, alors, laissez la bourse faire. Bon, laisse. C'est une bonne coïncidence. Mais je vais quand même parler de ta déco qui est à chier. Qu'est-ce que c'est que cette cheminée, pardon? Alors là c'est un antif, hein? Ah oui, c'est une lumière, hein? Comme ça, ma fille, elle se brûle pas. Non, mais parce qu'une cheminée, normalement, ben justement, c'est ça réchauffe, c'est le cœur du foyer, c'est ce qui fait vendre aussi, ça déclenche un coup de cœur. Et ce n'est pas le seul détail qui chagrine Stéphane. Le salon reflète trop la façon de vivre de Solène et de sa petite fille. On a ici Camille, le petit nom pour Camille, un peu en face la Camille. On a tout pour Camille ici. Ouais. Il faut qu'on essaye, pour la vente en tout cas, de retrouver l'espace de la famille. D'autant que ce séjour aux belles dimensions donne sur 220 mètres carrés de verdure bien appréciable. Non mais attends, c'est très bien entretenu, pas de vis-à-vis, agréable. Mmh. Ah non, alors là, t'as un super jardin. Hein. Mais alors là, un super point pour Solène. L'extérieur est magnifique. Hein. Mais les compliments s'arrêtent net dans le couloir qui dessert la cuisine et l'escalier. Le papier peint aurait pu changer là. Les copines, pardon, vous auriez pu l'aider aussi, là? Ah, mais on lui a proposé. Ah, on lui a proposé, oui. Elle m'a dit la flemme. Comment? Non, j'ai pas compris. Elle a dit? La flemme. Bravo. Ah, bah, ben non, là. Ah, mais je voulais repartir. Oui, ben justement, pour repartir, faut refaire. Cuisine? Cuisine, ouais. On y va. Là, j'ai deux sensations. J'aime bien le volume, mais il y a trop de volume. Elle est trop grande. Là, j'ai vraiment l'impression de perdre de la place. Elle fait combien? 13,5 mètres carrés. Ah, pour toi, 0,5, c'est important. Hein. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette cuisine? Bah, je pense qu'avec un petit coup de peinture, déjà, on pourrait lui donner un petit coup de jeune, de peps. Ouais, et là, elle a pas voulu que vous fassiez un petit coup de peinture? Non, toujours pas, non. Mais vous avez proposé, elle a dit non? Ah oui, oui. Et elle, vous êtes connectée depuis combien de temps? 20 ans? 20 ans, oui. Et comment vous étiez plus jeune? Fan de rap. Comment? Mais rap de quoi? Genre quoi comme groupe? Genre Sniper. Comment? Sniper. Snipe. Oui. IAM. Mais alors, c'est-à-dire fan dans les habits aussi? Ah, complètement. Non. Arrêtez, vous étiez en jogging avec la banane sur le côté. Non. Ah, si. Comme ça? Non, mais hein? Ok, alors on y va, ma rappeuse. Yo, yahoo. Oh, je vais m'apprendre du rap. Alors là, hop, on monte.
À l'étage, l'accumulation de papier peint et de sols différents commence à poser un sérieux problème à Stéphane. Encore du papier peint, regardez. On a toutes les couleurs. Non mais on sert un patchwork de papier peint moche. Ça veut dire que pour la vente, l'acheteur il rentre là. Même s'il aime bien les volumes, s'il aime bien cette maison, il y a trop de choses à faire là. Ou alors tu es obligé de descendre le prix. Ce palier dessert une toute petite pièce mansardée, une salle de bain, un débarras dressing et deux grandes chambres. La première, celle de Camille, fait 12,5 mètres carrés. On a une belle hauteur, on a du charme avec la pente de la maison. Ça fait un vrai volume, là. Là, c'est agréable, on se sent bien. Mais alors, vous allez me compter le nombre de papiers différents. Regardez, hein. 1, 2, 3. 3 papiers différents, 4 avec celui qui est derrière. 4 différents. On a encore de la moquette au sol. Hein. Donc là, 1, il va falloir ranger les jouets. 2, il va falloir changer un petit peu l'univers, parce qu'il y a trop de papiers différents. Alors, à droite, il y a quoi? C'est quoi? La deuxième chambre de Camille. Deuxième chambre de Camille, pourquoi pas? Cette pièce mansardée qui abrite encore d'autres jouets de Camille fait seulement 7,5 mètres carrés. Pour la vente, une chambre doit faire minimum 9 mètres carrés carrés. Là, on ne peut pas la considérer comme une chambre. Hein. Donc ça peut être un bureau, ça peut être une salle de jeu. Et là, on a quoi? Ah, la salle de bain! On est quand même sur un bel espace. La fenêtre de toit est plutôt agréable. Mais c'est jaune ou pas? C'est jaune et bleu. OK. Et enfin, ce qui devrait être le clou du spectacle pour un visiteur, la chambre de Solène de 11 mètres carrés, la chambre parentale donc. Chambre parentale, je suis emballé. Chambre d'adolescent. Hein? Chambre parentale, non, on a le smiley, on a la chambre. Regardez un peu encore ces papiers peints. 4 papiers peints différents. Tu viens un peu dormir ici de temps en temps? De temps en temps, oui. Les filles? Jamais. Comment? Jamais. Ah oui, non, elle est jamais ici. Elle dort toute la semaine chez ses parents. Ben, en fait, quand on vient, elle arrive 5 minutes avant nous et elle repart 5 minutes après. Je vais m'asseoir, hein, parce que là, je pense que là, attends, là, j'ai un cas d'école. Qu'est-ce qui se passe avec cette maison? Tu l'as désertée? Un peu, ouais. C'est que tu te sens pas bien dans cette maison pour différentes raisons. Donc, il faut te reconstruire un peu. Mais surtout, il faut qu'on se sépare de cette maison pour passer à autre chose. Solène, attristée par sa situation personnelle, ne s'est jamais investie dans cette maison. Et cela se sent, notamment sur les murs et les sols, qu'elle n'a pas pris le temps de mettre au goût du jour. Mais il y a un autre point qu'il va falloir considérer. Ici, on a quand même une maison qui fait 80 mètres carrés où on a seulement 2 chambres. Donc il manque déjà une chambre, ce qui justifie peut-être que 314 000 euros, c'est beaucoup trop en prix. Mais je vais me renseigner. Moi, je suis là pour t'aider. On est là pour t'aider. T'es déjà bien secondé avec tes copines. Et moi, je vais venir avec Emmanuel Rivassou, qui est extraordinaire aussi. Et on va te redynamiter ton intérieur. Mais sur le prix, je vais pas faire de miracle. Sur tout le reste, je vais en faire. Et je t'embrasse. Et arrête de chialer un peu. Hein? Yo, snipe, yeah. Si comme Solène, les aléas de la vie vous obligent à revendre votre bien juste après l'avoir acheté, il est tentant de monter votre prix pour récupérer les frais de notaire et ceux des travaux engagés. Mais si on est honnête, c'est quasi mission impossible. Il faut en moyenne 5 ans pour amortir les frais de notaire et les travaux. Si le marché immobilier est en hausse, vous pourrez vous permettre de vendre plus cher que vous n'avez acheté. Mais quoi qu'il arrive, vous achèterez plus cher derrière. Et si le contexte est plus tendu, je vous conseille de ne pas vous acharner et de vous aligner sur les prix. Vous perdrez un peu d'argent, mais vous pourrez passer à autre chose. Quelques jours plus tard, après avoir pris le temps d'étudier le marché immobilier à Erani, Stéphane emmène Solène visiter une maison qui s'est vendue dans son lotissement il y a 2 mois. Alors là, on est à 400 mètres de chez toi. Oui. Même résidence, même construction. Cette maison mitoyenne des deux côtés, à la différence de chez Solène, a une superficie de 85 mètres carrés, soit 5 mètres carrés de plus. Tu ne vas pas être séduite forcément par la déco, je le comprends. Oui. Ce qu'on essaye de voir, c'est pourquoi celle-ci s'est vendue et pas la tienne. Ok. Est-ce que tu retrouves un peu l'esprit de ta maison ou pas? Bah, c'est traversant comme, ouais. Comme chez moi. Le séjour fait exactement la même superficie que chez Solène et la cuisine aussi. Mes placards sont un peu plus récents. Ah, c'est plus moderne. Oui.
L'étage dessert deux chambres de 11 mètres carrés de même taille que celles de Camille et de Solène. Mais dans cette maison, il y a une vraie troisième chambre. Très grande chambre de 11 mètres carrés. Donc ici, j'ai trois chambres. Chez toi, il me manque une chambre, quoi qu'il arrive. Cette maison qui s'est vendue il y a deux mois n'est certes pas un modèle de homestaging, mais elle permet de montrer à Solène qu'il y a un problème d'ajustement entre son prix de vente et le nombre de chambres qu'elle propose. Toi, tu as 80 mètres carrés et tu essaies de la vendre 314 000 euros. C'est ça. Ici, on a 85 mètres carrés. C'est plus grand. On a une chambre en plus. On n'a pas une déco féerique, je te l'accorde, et on a un jardin plus petit. Mais ça s'est vendu 292 000 euros net vendeur. Ok. Alors après, chez toi, j'ai aussi des avantages. Un jardin plus grand, mitoyen que d'un côté, mais ça ne justifie pas cet écart de prix. Oui. Je pense que si on veut être raisonnable, il faut qu'on mette ta maison à 295 000 euros, voire 300 000 euros. Est-ce que toi, ça peut t'aller ? Mais oui, après, par rapport à... Ouais, si, ça peut... Faut que je revoie ça. Stéphane sait que c'est une décision qui stresse Solène. Alors, il décide de lui laisser un peu de temps. Tu veux réfléchir, en parler à papa ? Ouais, c'est ça, je vais voir avec lui. Et... Allez, on y va. Attention, hein. Là, c'est quand même vendu, cette maison. Tu vois, on va vendre la tienne, hein. Il faut maintenant s'attaquer aux transformations pour séduire les acheteurs. C'est donc Emmanuelle Rivassou qui prend en main ce dossier. Elle doit transformer ce pavillon un peu triste en une maison chaleureuse et familiale. Et ce n'est pas chose aisée de tenir un budget serré quand tous les murs sont à reprendre, plafond inclus. Nos experts savent que pour la vente, ils doivent se démarquer. Emma a l'idée de délimiter un espace entré dans le séjour avec, pourquoi pas, une verrière. Ils sont aujourd'hui en repérage chez un artisan qui fabrique à 5 km de la maison des modèles assez originaux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ça va ? Bienvenue. Alors, bon, on vient de voir parce que vous avez quand même été ici. C'est le papa, meilleur ouvrier de France. Oui. Effectivement. Alors Emmanuel me parle de toi, c'est génial, tu vas voir, il travaille sur des vitraux. Alors nous, on fait du homestaging dans une maison, on veut créer un muret et poser au-dessus une verrière. Sauf que la verrière type atelier, on l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Stéphane, pour la vente, a besoin de se démarquer avec cette maison. Donc la maison sort du lot. Au style très classique, avec des motifs floraux, qui va rappeler un petit peu les cages d'escalier qu'on retrouve à Paris, etc. On a ce genre de design. C'est très joli, mais pour une maison ou un appartement, c'est un peu chargé, je trouve. Oui, alors on va regarder des choses un peu plus light. Le style art déco, qui est très en vogue en ce moment. Ça se met quoi? Dans les verrières? Dans les douches, peut-être, ou pas? Là, ça a été pensé, effectivement, pour les verrières. Ça, pour une entrée, c'est top, parce que t'as ce côté filtrant, mais sans perdre la lumière. Il y en a des très jolis. Regarde, celui-ci est assez joli, celui-ci est assez joli. Hein. Est-ce qu'on n'emmènerait pas un peu de couleur, justement? Après avoir considéré les différents styles possibles, nos experts finissent par trouver un motif qu'ils imaginent bien chez Solène. On est sur un style art déco bien prononcé, qui parle bien à l'imaginaire des gens. D'accord. Donc... On va boucler, nous, le projet, on va budgéter tout ça, et ensuite, on revient vers toi pour te donner les dimensions et exactement le dessin. Parfait. Et puis, on est à côté du chantier, surtout, c'est incroyable. C'est une aubaine. Ouais, et puis, comme ça, lui, il pourra venir le poser. Avec plaisir. Ça m'évitera de le casser. Okay. Ah. Allez, on y va. Une semaine plus tard, Emmanuelle a bouclé son projet et elle vient l'expliquer aux trois copines, impatientes d'en savoir plus. Alors je te présente Solène, enchantée Solène, accompagnée de deux piliers, Anne-Sophie et Anaïs, qui se connaissent depuis 20 ans. Wow ! Pour que la démonstration du travail nécessaire soit encore plus parlante, Emma s'est amusée à faire un petit patchwork. On a quand même, rien que pour les sols, 9 sols différents. Et les murs, on a chaque pièce 2 couleurs différentes. Donc notre mission, ça va être surtout l'harmonie dans cette maison. Donc première des choses, on va mettre un seul et même sol dans toute la maison. Ce sera un parquet imprimé sur vinyle. Et voilà la décoration très contemporaine qu'Emma a imaginée dans le séjour. Waouh! Ah oui, ça change beaucoup, ouais. Tout change. Ça me plaît beaucoup.
Puis les verts, c'est bien. Et ça fait du bien de ne plus voir de jaune. Ah oui. Moi, j'aime bien la partie qui a été créée pour faire une petite entrée. C'est sympa. Alors, deux actions dans le séjour. Déjà, ce qu'il manque actuellement, c'est une entrée. Emmanuel a prévu de monter une petite cloison entre la salle à manger et la porte d'entrée. Une verrière en partie haute apportera en plus du cachet, ce qui est l'un des objectifs dans cette pièce de vie. Pour l'aménagement, donc, je vais investir dans un canapé vert anglais. On fera un ton sur ton avec le mur derrière. C'est une couleur qui est chic et intemporelle. Cool. Cool. Ouais. C'est tout de suite beaucoup plus chaleureux, en fait. Ça, oui, ça change beaucoup. On passe à la cuisine. Waouh. C'est joli, ça change. On respire, en fait, là, dans cette cuisine. Oui, c'est ça. C'est assez cocooning, chaleureux. Ouais. Les couleurs sont lumineuses. Le lustre est magnifique. Alors bien, dans la cuisine, là aussi, mission uniformisation par le sol, puisqu'on va retrouver le même sol que dans le séjour. On va retrouver également le même beige que dans le séjour. Et pour insister sur son côté familial, la cuisine sera dotée d'un vrai espace repas, délimité au sol par un vinyle imitation carreau de ciment et souligné au plafond et au mur par un beige plus soutenu. C'est plus sympa, ça fait plus... Est-ce que c'est plutôt ton style un petit peu ça? Ah oui, ça me plaît, oui. À l'étage, tous les murs sont porteurs, alors le budget de homestaging de Emma ne lui permet pas de créer de troisième chambre. Elle va donc tout miser sur les deux existantes en les rénovant du sol au plafond. On commence par ta chambre. Voilà. Canon, ça change. En fait, ce qui n'allait pas dans ta chambre, c'est que tu avais positionné ton lit dans l'angle. On fait pas ça, parce que ça, c'est pour les chambres d'étudiants. Ceux qui ont l'habitude de boire un petit peu, de se coucher rapidement. Qui ont peur de tomber du lit. Donc ils naviguent un peu, donc hop, comme ça, on se cale contre le mur. Mais ça ne se fait pas en normal. Hein. Non, ça ne se fait pas, ou alors on fait ça quand vraiment on n'a pas de place, et ce qui n'est pas le cas de ta chambre. Pour une chambre très chic, Emmanuel a investi dans un lit en velours bleu. Pour contraster élégamment, les murs et le plafond seront repeints en beige. Moi, j'aime bien, surtout la bibliothèque en haut. L'astuce, ça va être de peindre le fond, les étagères et les côtés de la même couleur pour vraiment démarquer cet espace du reste de la chambre. On passe à la chambre de Camille. Oh, waouh! Ça te plaît? Ouais, elle va adorer. Ouais. Mm-mm. Là aussi, dans cette chambre, rénovation du sol au plafond. Je conserve le lit cabane de ta fille, je investis dans quelques petits meubles et accessoires et surtout ici, dans une ligne de rangement avec des coffres fermés pour qu'on puisse mettre tous ces jouets le temps de la vente. On termine par la salle de bain. Autre couleur, hein? Là, il y a du changement. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur? J'aime bien, ça flash moins que le jaune et le bleu, quoi. Donc, non, le kaki, c'est sympa. On garde le carrelage et le mobilier, mais ils seront repeints dans des tons élégants, kaki et ivoire. Motivé pour ces travaux? Parce que, on peut le dire que t'étais pas motivé à part pour faire les soirées. Hein. Ah ouais, non, avoir tous ces dessins, oui, ça me motive à faire les travaux pour enfin partir. Bon, et ben nous, on est contents. Et ben on va y aller. Allez, tu prends ça. Hop là, hop là, on y va. Salut les filles, on se retrouve pour les travaux. Aujourd'hui, ça déménage à Erani. MC Plaza et Emma sont dans la place. C'est ça, non? Nos deux fans de rap, Solène et Anaïs, sont comblées et prêtes à déménager. Et elles ont du renfort. Alors, c'est qui ce jeune homme-là? C'est mon papa. Et la beauté, c'est Camille? T'es belle, hein? Aujourd'hui, c'est le début du renouveau pour Solène. On vide sa maison pour mieux la réaménager et la vendre vite pour l'aider à tourner la page. Expert dans l'art d'éviter les corvées, Stéphane sort une de ses cartes favorites. Viens voir tonton. Tu sais ce qu'on va faire, nous? On va aller ranger tes joujoux et eux, ils vont faire beaucoup de boulot. Il y a trop de trucs à faire. Oui, en fait, tu nous laisses les gros meubles. Oui. Allez, je pars avec Camille. C'est pas de bêtises. Allez, je pars avec Camille. Dans la chambre, il faut trier tous les jouets et ne garder que les favoris de Camille le temps de la vente. Qu'est-ce qu'on va ranger, alors? Par où on commence?
par ici. Il y a le poste, on va mettre un peu de musique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aimes comme musique? On écrit sur les murs. Et on pourra même vraiment écrire sur les murs. Comment ça? Ma gade est défaite. Mais ça s'en va après? Non. Alors, on écrit. Non, mais c'est rien. C'est pas grave, on va le démonter après. Ouais, on va le démonter, hein, tu vois. C'est pas si, fais pas ça. Ah, tata, prout, prout, cadet. C'est qui ça? C'est toi. Tu avec des bouts d'oreilles? Non, c'est des oreilles. Ah, pardon, c'est des oreilles. Voilà. Ça va être bien décoré. Ah, c'est super. Sinon, pas tu. Dans le salon, Emma a prévu de garder beaucoup de meubles de Solène. Le reste ira au garde-meubles en attendant le prochain logement de la jeune femme. Donc pour s'organiser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner au fond tout ce qu'on va conserver. Et puis tout ce qui part, on le met vers l'avant. Allez, c'est parti. Ok. Et on roule le tapis. Et ensuite, Solène, on se fait des chaises. Mission accomplie. À l'étage, Stéphane reprend du service pour aider Solène à évacuer son fameux lit d'adolescente. Alors, plusieurs solutions. Méthode américaine, on gagne du temps et nous, on travaille beaucoup moins. Ou alors, méthode française, beaucoup plus compliquée. La porte. On passe par là, on descend et tout ça. Tu préfères quoi? Bon, on gagne du temps et on travaille moins. Ouais, alors tu vas voir. Alors, il s'agit de ne pas abîmer les choses, hein, méthode américaine. On ouvre ici. Christian! Anaïs? Oui? Venez là, on a besoin de vous. Alors, bras! Anaïs, c'est pas lourd. Voilà. Voilà. Tu l'as là, regarde. Tu pousses. La méthode américaine est sans conteste très efficace. Attention les doigts. Ouais. Vas-y, allez, voilà. Allez, vas-y. Ouais, très bien. Là, ouais, on est bien. Ouais. Ah, ça coince quelque part. Ah, on peut plus le lever. Emma, on est coincé là. Ah, ça passe pas, hein? Oui, si, bah, si, c'est ça va passer. Ah non, ça passera pas. Si, si. Votre problème, oui. C'est que vous voulez gagner du temps, mais là, vous en perdez. Bah oui, mais là, on peut pas le remonter, il est coincé. Bon, bah, on va démonter d'ici. Une heure plus tard, le sommier est enfin démonté. Mais nos deux compères ont encore une mission pour gagner du temps avant les travaux. Ah, ça aussi, on va en avoir pour des heures. Arraché, la vieille moquette. Je décolle. Je tire. Et à l'étage, il y en a partout. Oh, la moquette, on va s'en rappeler. En fin de journée, la maison est déménagée et prête pour la suite des réjouissances. Oh, je sais plus de mon âge. Hein. Et c'est sur un air de flamenco que s'ouvre le début des travaux. Ah, ça, je sais que ça te fait d'installer les sols. Espérons que cette belle énergie accompagne tous les postes de travaux, car il y en a. Bonjour. Ah, alors on a tout le monde. On a retrouvé Camille, Anne-Sauk, Solène évidemment, et le beau, l'incroyable Christian. Pendant que Stéphane se fait aider pour finir la pose du sol dans la chambre parentale, Emmanuel et Solène vont construire le muret sur lequel sera posée la fameuse verrière Art déco que nos experts ont dégotée il y a quelques jours. Ici, tu te souviens, on va recréer l'entrée qui manque à ton séjour. Donc en fait, j'ai déjà posé une semelle au sol qui va nous servir à accueillir les carreaux de plâtre que tu vois là. Ok. Il faut en coller le rail et réaliser la même opération sur les carreaux de plâtre. Alors l'idée pour la forme, c'est que tu fasses une petite pyramide. Ok. Je suis pas la meilleure pour les pyramides. Enfin, c'est une pyramide... En même temps, on n'est pas en Égypte, on est à l'Iran. Oui. Allez. On colle le mur. Exactement, t'as tout compris. Une fois le premier carreau positionné, il faut ôter le surplus de colle et recommencer l'opération. Le mur est terminé, il n'y aura plus qu'à fixer dessus la verrière. Stéphane et sa team s'attaquent maintenant au mur. Hop, on reste là, c'est ici que ça va se passer. Chez Solène, les papiers peints sont trop abîmés. Il faut tout décoller. Partout ? Allez-y. L'opération est titanesque. Alors Stéphane sort sa botte secrète, sa méthode de détapissage radical. Pour bien... Non, mais pousse-toi, tu vois bien. Mais c'est pas mal. Ah, reste la plantée. Regardez. Alors... Ah. Eh ben voilà, là c'est humide, on peut décoller. T'as vu la méthode américaine? C'est beaucoup plus pratique comme ça.
Oh, pardon. Une fois les murs détapissés, Emmanuel forme Christian au ratissage. Est-ce que tu as déjà ratissé? Oui, mais il y a longtemps. Avant de peindre, on va rattraper les irrégularités du mur, d'accord? D'accord. Je te montre. À l'aide d'une spatule, Emmanuel applique l'enduit en fine couche. Je te laisse faire? Ça marchera tout à l'heure. Dans le séjour, le papier peint est pour une fois en bon état. Alors Anne-Sophie et Stéphane peuvent le repeindre dans le vert profond qu'Emma a choisi pour donner de l'élégance au coin salon. Tu sais, moi, le vert, j'aime beaucoup ça. Ouais. Le vert, dans mes photos, ça ressemble bien. Quelle photo? Ben, je suis photographe. Ben, j'ai envie de te dire, quand on a la chance d'avoir le Georges Clooney français, what else? Moi, je veux bien être ton modèle. Toujours prêt à donner de sa personne, Stéphane n'hésite pas à s'improviser. Mannequin. Oh. Tourne-toi plus vers la lumière. Ouais. Super. Super. D'Artagnan, je suis pas encore au point, j'ai l'impression. Hein. Ah. Bah, c'est un peu conceptuel. Et pour la vente, toutes les générations mettent la main à la pâte. Est-ce que tu as déjà peint? Oui. Ok. C'est Camille et Christian qui vont peindre en kaki le meuble vasque et les carreaux de la baignoire. Alors, ce qu'on va appliquer sur le carrelage, ça n'est pas une peinture classique, c'est une résine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut se mettre directement sur le carrelage et surtout, c'est spécialement adapté aux pièces humides. Allez, vas-y, viens dans l'angle. Cette résine est très facile à appliquer. La preuve en image. C'est qui la meilleure équipe? Nous. Il va encore falloir travailler d'arrache-pied. La maison doit être remise en vente le plus rapidement possible. Et 8 jours plus tard, à Erani, la maison est prête pour la vente. Emmanuel finit de nettoyer la belle verrière art déco qu'elle a choisie avec Stéphane. Et justement, notre expert arrive avec Solène et son papa, Christian, sous une pluie battante. À vous l'honneur, vous êtes chez vous, hein, mademoiselle Solène. Bah, c'est encore chez toi. Bienvenue. Regardez, elle est toute belle, elle est à l'intérieur. Et nous, on est mouillés. Bonjour. Voilà. On ne s'est pas trompé d'adresse. Bienvenue dans votre entrée. C'est pas un paillasson, c'est un tapis en fait. Vas-y, essaye. C'est un tapis à 39€ n'est pas un paillasson. Ça sert en fait à se déchausser. Et ce tapis qui passe heureusement à la machine a été judicieusement choisi par Emma pour souligner la nouvelle entrée. Cet espace très chic donne le ton de tout le séjour. Ça change. Ah, ça n'a rien à voir. Ça me plaît beaucoup. Non, c'est top. Mon idée, c'était vraiment de souligner cette entrée sans cloisonner. Donc, en fait, on a monté un muret, on a installé au-dessus cette belle verrière art déco. Ah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle pièce et ça nous permet d'apporter beaucoup d'élégance à votre séjour. Et de ce côté, j'ai également souligné l'entrée avec la pose d'un papier peint panoramique, des patères à 20€ et un petit bon. C'est super bien et c'est super pratique. Pour unifier les sols, Emmanuel a posé un vinyle imitation parquet en chêne que l'on retrouvera dans toutes les pièces de la maison. J'ai réutilisé ta table, c'est la tienne. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ce sont tes chaises également. Et ensuite, j'ai investi seulement dans 2 luminaires. Un lampadaire et ici une suspension. 90€ l'unité. Moi, ça me plaît, ouais. Ça fait plus cosy, plus... On a envie d'y être. Ah, c'est déjà bien, parce que toi, tu n'avais pas du tout envie d'y être. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Le nouveau coin salon a aussi été pensé comme une invitation à se détendre en famille dans un espace chic et chaleureux. On a un canapé en vert sapin qui reprend exactement la même couleur que le mur. C'est une couleur intemporelle et très chic. On a, regarde ce pouf-là avec une structure en velours côtelé. Ça aussi, ça apporte de l'élégance. Pour jouer le contraste des matières, Emmanuel a aussi installé une table basse en acier noir à 169€, des coussins à 32€ pièce et une horloge esprit art déco à 49€. Oh, c'est vraiment joli. Ah, c'est oui, très joli. Rien à voir avec avant, quoi. Tu veux toujours partir? Oui. Oui, ça ne changera pas, mais. Oui. Mais c'est très joli. Solène, qui dînait la plupart du temps chez ses parents, n'avait jamais investi sa cuisine pour tant de belles dimensions. Ah, ça change totalement. Complet.
Ici, on a simplement repeint la crédence avec une résine ivoire et caché astucieusement la chaudière dans un meuble qui offre aussi du rangement. De ce côté, ce qu'on a souhaité faire avec Stéphane, c'est rajouter une fonction supplémentaire d'un vrai coin repas. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de le délimiter au sol, puisqu'il y a un changement de motif de vinyle, tu vois, vraiment sous cette zone. Au plafond, on a changé de couleur également pour souligner. Et on a fait pareil au mur. Et on a fait redescendre surtout une suspension pile poil au centre du coin repas. Ah, moi, j'aime bien, c'est le lustre avec le reflet sur le plafond. Ah, ça te plaît, tu vois? Ça, ça me plaît, ouais. Regarde-toi, elle va bientôt faire de la déco. Tu es en train de lui donner goût à la déco. Non, mais c'est vrai! Pour meubler ce nouveau coin repas, Emmanuel a investi dans des chaises à 99 € pièce et une table à 239 €. On continue? Allez, on passe à l'étage. Passons à l'étage. Regardez déjà l'escalier. Regardez là, là le blanc là, un peu partout. Ça change. Ouais, ça a grandi. C'est plus lumineux. Plus moderne aussi, hein. C'est oui, bien. Plus moderne et encore une fois, de l'unité. C'est ce qui nous manquait dans ta maison. Ce beige, on le retrouve de partout. Une seule et même couleur dans toute la maison. Vous attendez quelqu'un? Toi, bah rentre. De retour de l'école, Camille, qui vient d'être déposée par une voisine, n'a qu'une hâte. Je veux voir ma chambre. Eh ben viens, je vais te montrer ta chambre, allez. On a, ça tombe bien, on allait monter. C'est beau tout en blanc, non? Avec ses murs blancs et son vinyle clair, la chambre de la petite fille semble maintenant baignée de lumière. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien. Qu'est-ce que tu trouves bien? Tout. T'aimes tout? Oui. Et là, t'écris pas sur les murs, hein? Non. Eh, tonton, avec tonton, on a le droit de tout faire. Beaucoup de changements dans cette pièce, mais finalement beaucoup de homestaging puisque j'ai réutilisé beaucoup de tes meubles. C'est le lit cabane de Camille, c'est le bureau de Camille, c'est la chaise de Camille, ce sont les meubles de Camille. J'ai simplement investi dans un nouveau fauteuil à 149 € et dans tous ces luminaires. Au mur, Emma a choisi un panoramique à composer soi-même. C'est le même principe qu'un papier peint. Ça s'achète déjà prédécoupé. Il y a plusieurs schémas de poses possibles. C'est super. Et pour le rangement, Emmanuel a créé un meuble à moindre coût en récupérant des étagères et en achetant des casiers en tissu à 5 € pièce. Je te laisse lire et on revient. Je vais voir la chambre de maman. C'est super, ça fait vraiment une vraie chambre. Eh oui, fini la chambre d'ado. Le bleu, ça change, c'est sympa. Et puis du coup, la nouvelle bande sur mon armoire... C'était ton armoire, mon effectivement. Armoire. Et j'ai créé une bande noire avec de la peinture en bombe et des petites poignées. Je les ai peintes en doré. Et hop, on a une nouvelle armoire. Ah, c'est super comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré profit de cette niche qui existait. J'ai en fait acheté des étagères que j'ai installées et j'ai peint l'ensemble pour créer comme une boîte, en fait. Vraiment la faire ressortir. Pour encore plus d'élégance, la chambre se pare de chevet à 32 €, de linge de lit fleuri, d'un tapis à 219 € et d'un pouf bleu nuit à 56 €. J'ai apporté également des touches de doré avec les accessoires. J'adore les deux, c'est juste que je me regarderai pas dedans. Mais... ça, ben, personne va se regarder dedans. Hein, ça te plaît, hein? Ça, ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais, on continue? Allez, venez ça par là. Fait. Et pour finir, la salle de bain qui a gagné en zénitude. C'est joli. C'est bête, mais ça paraît plus grand. En fait. Rien que d'avoir retiré le jaune et le bleu, ça paraît plus grand. Ouais, je pensais pas que ça pouvait rendre comme ça, en fait. C'est vrai qu'on utilise beaucoup en homestaging cette résine colorée. Là, on peut avoir des couleurs actuelles, simplement en recouvrant. Et pour encore plus de fonctionnalités, Emmanuel a ajouté une étagère de rangement et une panière pour le linge sale. Bon, donc j'ai bien compris, je dors là, je viens dans la baignoire là, et je vais jouer là-bas. Et Stéphane, je crois qu'on a un acheteur. Allons rejoindre. Pour apporter de l'harmonie et de l'élégance à cette maison, Emmanuel a dépensé au total 10 000 €.
Alors, cette déco, c'est quand même une nouvelle maison, hein. C'est super, super travail, tout est top. Non, elle a bien travaillé. Elle a très bien travaillé. Merci beaucoup. Et toi, Solène, alors, est-ce que tu as réfléchi sur le prix de cette maison? Tu avais essayé 314 000 euros, il ne s'est rien passé. À quel prix on va fixer cette maison? Bah, du coup, vu qu'on a vu la maison comparative, donc j'ai bien retenu ce que tu m'as dit, j'aimerais qu'on parte sur 300 000 euros net vendeur. D'accord, donc on part là-dessus, ouais. On essaye de tenir le prix, c'est déjà un bon prix puisque on sait que la maison un peu plus grande, avec une chambre de plus, c'est vendu moins cher, mais là on a quand même beaucoup de charme, on a pratiquement plus de travaux à faire, donc on tente 300 000 euros net vendeur. Ouais. Bon, alors nous on va y aller. Merci beaucoup, vraiment merci super tout. Travail. Merci à vous, c'est très gentil. Merci. Et puis bonne chance pour la vente. Merci. Bon, attends, je suis là quand même. Hein. On se retrouve dans quelques temps, j'espère, avec le soleil. Ah, ça serait mieux. Sinon, je serai votre soleil. Pour vendre plus vite cette maison, Emma a décidé de souligner un coin repas dans la cuisine. Si vous aussi, vous aimeriez réaliser cette astuce déco chez vous, suivez ses conseils. Délimiter un espace dans l'espace, c'est bien utile pour souligner une autre fonction dans une pièce sans se lancer dans de gros travaux. Par exemple, une entrée dans un séjour, un dressing dans une chambre ou un bureau dans un salon. Alors, comment fait-on ? Au sol, on délimite l'espace en question avec un tapis ou alors avec un changement de revêtement. Attention, il faut que la hauteur du sol fini soit au même niveau. Il faudra donc choisir un carrelage ou un parquet de même hauteur ou prévoir un réagréage. Au mur, on utilise une teinte de peinture différente ou on pose un papier peint le long de cet espace. Vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'au plafond. Comme pour le coin repas que nous avons délimité dans la cuisine de Solène, on peut mixer sol, mur et même le plafond pour un effet encore plus marqué. Trois semaines plus tard, Stéphane est de retour à Éragny pour les visites. Christian, le père de Solène, est là pour la soutenir. Bonjour. Comment ça va, mon Christian ? Bah bien, ouais, allez. Pour la jeune femme qui rêve de quitter cette maison où elle ne s'est jamais sentie bien, la journée est déterminante. Oh bah, elle a le sourire, tu vois, elle pleure pas, elle chouine pas. Comment ça va ? Ça va. T'es tendu ou pas ? Un peu, ouais. On a baissé le prix à 300 000 euros, on a fait un effort. Oui. On va regarder si ça suffit. En tout cas, on a déjà des acheteurs potentiels. On a 7 visites, 5 visites non filmées, 2 visites filmées. Aujourd'hui, visite de jeunes mariés. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il est baraqué, hein. Méfie-toi. Ouais, ça va? Ça va très bien. Et un couple avec un enfant. Vous allez bien? Ça va bien? Bonjour. On recherche depuis 3 mois et c'est vraiment la salle où l'extérieur nous plaît beaucoup. On aime vraiment la verrière. C'est très moderne. C'est vraiment un petit sas d'entrée, c'est très sympa. Le design, les couleurs, tout ce qui est ici, bien. Est-ce qu'il y a des écoles à côté, maternelles Oui, même pas 5 minutes à pied, il y a école primaire et maternelle. D'accord. Donc là-dessus, on est rassuré. Alors, je monte la cuisine. J'aime bien la cuisine fermée, oui. La couleur beige, le sol. Parfait, alors viens, on va dans le jardin. Déjà, de l'extérieur, on a l'impression d'être en vacances. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment très calme. Là, on a une vraie chambre. En plus, elle a une bonne hauteur. Et ça, j'adore. Je pense que le petit se plaira bien ici. Ouais. Alors, venez voir la chambre des parents. C'est bonne idée pour faire une bibliothèque ou bien ranger des choses comme des bijoux. Et vous aimez bien ce genre de... Ouais. Ça reste aussi. Non, ça reste... Eh, tu peux demander ça. Si vous l'achetez, oui. Eh ben vous me l'avez en cadeau. Merci beaucoup. Moi, je trouve que la maison, elle est très belle, très jolie. Elle a beaucoup de potentiel. On se sent bien, en fait, dans la maison, même la hauteur sous plafond au niveau des chambres. Franchement, c'est top. C'est coup de cœur. Assuré. Oui, assuré. Alors, on va y réfléchir, mais je pense qu'on va faire une offre. Je pense qu'on va faire une offre sur cette maison. Les visites sont à présent terminées. Solène espère vendre sa maison au prix de 300 000 euros.
pour enfin tourner la page et aller de l'avant. Et c'est donc particulièrement émue qu'elle attend le verdict. Comment tu te sens ? Ah, ça va. Qu'est-ce que tu penses de cette journée ? Je sais pas. Ça serait quoi la bonne nouvelle pour toi ? Bah, que ce soit vendu. Tu avais acheté cette maison 298 000 euros il y a 2 ans. C'est vrai que le marché se porte bien. Donc le tout, c'est de ne pas perdre d'argent. On va rentrer dans le vif du sujet. La visite que j'ai faite avec papa, ils ont un coup de cœur. Ils ont fait une offre écrite. Okay. Mais pas au prix. 285 000 euros net vendeur. Ok. C'est trop bas. Tu as raison de refuser cette offre. Alors, on a eu une deuxième visite filmée. Ils sont intéressés. Ils ont fait une offre. Okay. Qui n'est pas au prix. 295 000 euros net vendeur. Moi, c'est bon, 295. Alors, c'est très embêtant. Parce que j'ai dit non. Ah, ok. J'ai une troisième et une quatrième offre. Deux non filmés veulent acheter au prix. Oui, tu peux pleurer, tu as le droit. Ça veut dire qu'on a vendu. Voilà. Donc, non seulement tu as raison de refuser, mais en plus on a vendu, tu vas tous nous faire pleurer. Deux bonnes offres. Un avec un apport de 30 000, un avec un apport de 75 000 euros. Quoi qu'il arrive, c'est vendu. Tu le mérites. T'es très bien entouré. T'as de la chance, profites-en et reprends ta vie. D'accord ? Pour plus de sérénité, Solène a choisi l'acheteur qui avait 75 000 euros d'apport. Elle va pouvoir enfin prendre un nouveau départ avec sa petite Camille et envisager un avenir plus radieux. Et n'oublie pas dans la vie, 1, on a vendu. 2, t'as des parents en or. Et je crois que t'as la plus grosse chance de ta vie, l'ultime chance, c'est quand même d'être le même jour que moi. Hey, il a même année. Ah, allez, on traque ensemble. Ah, la même année. Et ça te va bien, la tenue, hein? Merci, bah ça me va comme un gant. Hey, je ne voudrais pas paraître moufle. Oh, ça te va comme un gant. Combien t'as acheté cette maison, alors? 288 000 euros. Pas facile à dire. 288 000 euros. On reprend, vas-y. Pouvez-vous faire un gros plan sur les deux petits trous, là? Cet homme ne dort pas assez. Alors, tu me vois, là? Tu me vois? Toujours un professionnel quand on commence à toucher la robinetterie, même si on s'y connaît. Tu te regarderas après. Non, mais je ne regarde rien. Non, non, on est en train de te filmer, on te voit ce que tu fais. C'est joli, ça. C'est joli, hein? C'est ce que j'ai dans ma cuisine. Et enfin, ah, tu permets, tu n'écoutes pas les gens. Ça t'intéresse pas de t'en servir aux gens? Tu n'écoutes pas les gens, Rimassou. Tu t'intéresses qu'aux animaux, toi. Alors on ramasse des ânes, on ramasse des chiens, on fait des associations. Oh, le petit doudou, mais écoute, nous aussi on est des êtres humains. Tu ne t'intéresses plus à moi, mais même plus aux clients. Bah, pardon, je craque. Hein. Non, mais c'est vrai. Oh, tu l'as dans la cuisine. C'est mieux, quoi. Toi, tu me dis un sou est un sou. Eh ben, ferais bien changer mon... Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi qui fait entre les pattes, là? Il a pondu.